paf pa 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 pa. Putain, mais beaucoup trop bien cette playlist. Alors. Puis 8. Ça manque de musique de WarioWare quand même, hein. L'immune. Ah oui. Alors, je suis désolé, moi j'ai pas pu mettre mon Metroid justement. C'est raté les mots. Aider quoi. De quoi? Ah oui, bah oui. T'as dû te presser, du coup pas de Metroid quoi. Ah. C'est compliqué ça. Quoi? Tout simplement. Non mais sans déconner. Ah bah oui. Sans déconner. Vraiment? Putain mais. What the fuck? Je sais pas si on peut participer en commentaire. Si. Alors les commentaires, vous avez un challenge plus difficile. Le chat a un challenge plus difficile. MMO, c'est que le chat doit être en mauvaise réponse uniquement. Ayumu, y a pas la place pour le chapeau. Si, il va passer. Voilà. Ah, chapeau il marron. Dépend, on part sur un Harry Potter avec le chapeau là. Ah, c'est vrai. Et Harry Potter en qui a 5, pas qu'est-ce que en ça peut être? Elle a bien 55 secondes, elle en profite bien. Bah ouais. Qu'est-ce que ça va être? Non, c'est pas ça. Ah bon? Quoi? Elle dessine un chat, mais... C'est pas Gandalf. Non mais alors là par contre c'est une variante particulière MMO. C'est la variante Ayumu. En fait c'est elle ça. A 90 secondes. Du coup elle dessine Harry Potter. Et le but c'est qu'elle puisse boucler son dessin en 30 secondes quoi. Ça c'est parce qu'il a pas de ping pocket hein. Je suis désolé mais il n'est pas alors sur ce jeu là j'ai du ping. Sur ce jeu là j'ai du ping. Ah, deux mots. 9. Bon, là, il va trouver. Tienne a déjà trouvé, je pense. Version 9.5, c'est. D'où j'ai lu. Je pense que je l'ai très mal dessiné, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Ah bon? Non. Ah mais oui, c'est bon, je l'ai. Bah non. Oh bah putain, je peux taper. Décidément, bonsoir Lavia. Elle était pas très bien dessinée, ma pitch, je pense. Je pense que dans ma tête, j'avais la tête de... J'avais l'image de pitch de Paper Mario dans la tête et c'est pas sorti. Oh. Hello Léa. Oula. La forme? Oh là, la vieille est... Ok, la vieille est déjà dans le... Attendez, la vieille est déjà dans le vocal. C'est en combien c'est Vous pouvez me dire, c'est en 10, 11 lettres? 10. Merde, la vieille, je t'ai passé le mauvais lien. Pardon. Pardon, la vieille, il a reçu une playlist YouTube sur son Discord en mode what the fuck. What the fuck. Ok. Mais non, mais arrêtez, c'est quoi? C'est l'Europe, ça. Ah non, mais franchement, je tapais des mots au hasard parce que je croyais que c'était de la géographie. Oh là là. Sans penser que c'était de la géographie. Hop. Et c'est passé. Donc, c'était pas un lien de porn. Alors, c'est vrai que pour le coup, ça aurait été plus embarrassant. C'est quand même assez moche, hein. Bon, c'est désolé, mais... Nice. Non, mais écoute, j'ai pas la carte en tête exacte. Donc... Ah ouais, mais là, c'est faux. Ah, mais j'ai encore oublié de faire mon Metroid. Oui, hein. Je suis trop concentré. Du coup, entre temps, j'ai raté l'Angleterre, quoi. Putain, mais je suis troisième. Faut que j'arrête de lire le chat. Ouais, monsieur, c'est plein alors que je suis quatrième. Hein. C'est ça le problème, faut que j'arrête de lire le chat. Ma religion m'appelle, bon live à tous et bonne soirée. C'est Koh-Lanta là? C'est Koh-Lanta? Bonne soirée à toi, Tom. La bise. La bise à madame aussi. Allô? Lille. Comment tu vas? Épuisé, mais ça va. Ouais. Grosse journée de boulot? Ouais, un petit 8h30, 20h45, tout va bien. Pas mal. Bon, après, il y a 2h15 de coupure entre les deux, mais ça va. Ouais. C'est le mec dans Toy Story, ça. Mais ouais, bim, il s'appelle Zigzag. Il s'appelle Zigzag. Attends, ils l'écrivent comment, ça? What the fuck? Mais non, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Bah si. Ah sérieux? Mais non. Oula. Hashtag verbe, il y a marqué. D'accord.
D'accord. J'ai écrit zigzaguer. Oui, bah tu zigzags. Oui. Ça s'écrit pas comme il ça, est pas trop c'est mignon, pas zigzag. Putain, ok. J'ai pris un fixe juste pour aller voir un ami et j'étais en escalade. Ah. Putain, mais vas-y, mais je suis nul ce soir, c'est terrible. Non mais Ayumu, tu fais la tête trop grosse, il y a pas la place pour le chapeau. C'est vrai. Oui, mais il y a une belle place pour la cicatrice. Mais zigzag, ça s'écrit pas Z-I-G-Z-A-G. Ça peut faire débat, je pense. Et vu que c'est la technique. Après, oui, de toute façon, vu que de toute façon, Scriblio, ça, c'est toujours une orthographe approximative, des trucs comme ça. C'est comme. Cet homme rage. Quoi ? Non. Jamais. 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 Moi, jamais. Jamais. C'est combien là ? J'ai pas compté, putain. 8. 8. 8. 8. 8. C'est quoi un 8 8 ? Parce que je connais la 8 6, mais. Il a l'air heureux là. Il a l'air. C'est quoi la 8 6 ? Ouais. Tu veux pas savoir. Je sais pas ce que c'est la 8 6 Pocket. Mais du coup, vous parlez de trucs bizarres sur mon stream, c'est ça ? Du coup, moi j'ai l'idée. Et Top 6 ou Lineken. 8-6. Département de Vienne. C'est de la bière. 86 Eliti Shikushu est une série de light novel écrite par Asato Asato, illustrée par Shirabi avec des designs mécaniques par Yves. Je suis en bug mental. Ah, c'est ça beau. Doit être ça, hein, je pense, hein, du coup. Hein. C'est un animé ? Ah voilà, j'avais le dentaire mais j'avais pas le début. C'est un animé, ici. C'est bête. Hein. Ah, je sais pas, je connaissais pas. Hein. Bordel de merde. Avec un bleu dessus. Comment est-ce que je dessine ça ? Non mais en vrai, c'est pas dire ton stylet. Ça, ça, on va faire ça. On va faire ça. On va dire que ça. Ah, c'est comme ça. J'ai cru que c'était moi qui avais juste. Il est très stylé. Alors j'ai la flemme de faire un dessin bien. Pas moi. Monsieur. Puis alors ça fait longtemps que j'ai pas dessiné à la tablette, du coup c'est compliqué quoi. J'ai une force à chaque fois. Attends. Bah oui, mais là ça fait deux semaines. Alors fais un effort au rond, tout ça pour me faire perdre des points. Ouais, quoi. Mais moi j'ai pas le permis hein. Comment ça, t'as pas le permis ? Ça m'aide pas là. Mais comment ça ? Ah oui. Bah oui. Bah oui. Oui, mais fallait. Oh, on met en rouge. Attends, les quoi, celle-là, là. Tu vois, moi je pensais que c'était le. Comment ça en rouge ? Non, c'est jaune. Oui, là, faut la faire jaune beige. Mais les deux montrer juste ça qui est important. En rouge, ça aurait été un bidon de sang, quoi. Non mais il veut l'entourer pour montrer ce que c'est qui est important. Ah, il faut entourer en rouge. Je pensais que c'était le bidon, ce qui était important. Toute une génération formatée par les miniatures YouTube. Oula. Ok, on part sur une Horcrux là. Quoi ? Mais quoi ? Mais c'est une gaffe facile. Une balance, mais n'importe quoi celui-là. T'as déjà utilisé une balance de ta vie ou pas ? Tu viens bien jouer. Yes, je t'envoie le lien, Léa. Okay. Ah, je sais pas, ce soir j'y arrive pas. Alors. Du tout. Je n'y arrive pas du Alors. Tout. 6, 1, 7. Voilà, c'est envoyé. Tu peux venir sur le Discord aussi si t'as envie. Ça, c'est un Metroid. Les c'est quoi un petit peu gros. C'est 6-1-6-1-7. Hein, ok. Mais... Un 6-1-7, c'est quoi Non, Hôtel de Ville, ça marche pas, tienne. Non, c'est pas un bouclier là. C'est un Metroid. Mais ça n'a rien à voir. C'est pareil. En fait, Auron est un vil copieur et il a tenté de piquer la strat. La strat Harry c'est Potter ça. De Aimon. Alors. Ah! Quoi? Ah, c'est bon, j'ai compris. Quel beau dessin. Et les autres ont trouvé aussi trop vite. Mais ça semble. Ça, c'est un peigne. Mais écoute. Merde! Voilà! Ah non, mais là, c'est faire chier pour faire chier, t'inquiète pas. C'est une brouse à cheveux. Généralement, moi, je réponds merde, ça passe avec tout. Alors, attends. Et tu traites pas la tienne de ville copieur ? Putain, mais si. En plus, le pire, c'est que vous êtes parti sur un délire. On en a vu une fois dans Metroid. Et ça y est, maintenant, c'est à fond, quoi. L'autre, il a changé son pseudo et tout. Enfin, ça va pas du tout. Hein. C'est grave, hein.
En fait, le truc, c'est que des fois, je me dis, putain, mais t'es pas un bon streamer et tout, tu lis pas assez ton chat. Je vois des fois qu'il y a plein de conversations à côté desquelles je suis passé, tu vois. Et genre, je suis en mode, putain, merde et tout, tu vois. Et en fait, quand je vois ce que vous écrivez, en fait, je... Ah, voilà. Ça s'est mal passé. Bah ben, voilà. Pardon. C'est pas ça. Bon, mais du coup... Non, c'est pas ça. Voilà. Pardon ? Bah oui. Ah. Quoi ? Il y en a un qui... Ah là, vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas vous donner d'indices. Je vais garder mes points pour moi. Je sais que c'est pas ça, mais ça me fait rire. Je vais garder mes points pour moi. Je vais garder mes points pour moi, ça me va bien. Là, ça me permet de remonter un peu dans le classement. Ils sont tous en train de partir sur Onglin Carnet, là. Ouais, c'est pas ça ? Merde. Mm. C'est le jeu qui se coupait là, hier, l'anecdote d'hier. Aïe aïe aïe, l'ongle d'orteil. L'ongle d'orteil, le petit coupe-ongle. Le petit coupe-ongle, histoire de faire l'ongle d'or. Incroyable. Par contre, j'ai aucune idée de quoi dessiner. Allo les Apus. Coucou. Hello. Ça va? Oh putain, en 3. Salut. Vite, écrivez tous nez. Lit. Dur. Sel. Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Pas... Cou, sou, chou. Non, merde, ça rentre pas chou. Je suis sûr, c'est un truc qui a rien à voir. Un tas, un rat, un pas. Tu vas y arriver au bout d'un moment. Ah merde, j'ai cru. Quoi ? Non, c'est pas ça. Quoi ? Hein ? Ah ouais, ah mais bon, fais tout de suite, c'est pas drôle. Ah, je sais. Non. Putain, mais elle est en train de... Un bon... Une bonne tomatique. Jojo, salut. Merci. Ouais, il faut que tu passes par le Discord. Je vais rater. Il faut que tu passes par le Discord parce que j'envoie que les trucs par MP. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Putain d'arbre. Un palmier. Oh oui ! Oh oui ! Ah. Pardon ? J'ai toujours pas, hein. Ah si. Ah non mais Jean-Joas, il faut pas le dire. Le chat, si vous êtes sur le chat, laissez uniquement les mauvaises réponses. C'est hyper important. Ah sinon c'est cheaté. Sinon les viewers streamac et tout après. Alors vous êtes prêts? Je vous dessine un serrurier. Ok. Ah merde. C'est pas ça, merde. Faut que je fasse entrer droit. Voilà. Voilà. Quoi ? Ah, oui. Non, ça. Ah bah non. Oh là là. Oh là là, j'applaudis. Non. T'as vu? J'applaudis. Le détail là? Ah ouais. Oui, c'est trop propre. Et là, on va dire que. Ils sont... Putain, mais j'allais dessiner Roméo et Juliette là, il me restait 12 secondes! Putain, vous faites chier! Tubercule poireau, ça c'est de la bonne serrurerie. On reconnaît bien serrurier. J'ai commencé en même temps avec les 4 premiers, mais c'est la vieille qui m'a dépassé. Vas-y, je rejoins la salle d'attente, vous avez l'air cool. Ah! Merci Tubercule Poirot de nous faire l'honneur de ta présence. Tiens hop. Tubercule Poirot. Je t'ai ajouté. Ah ouais, je t'ai ajouté. C'est bon. Il n'y a plus les 10 minutes d'attente. Si mais il doit être là depuis plus de 10 minutes du coup. Puisqu'il a pas de rôle, donc globalement pas moyen de tricher quoi. Pas moyen de tricher quoi. C'est beau, t'as vu hein. T'es passé par le Discord du coup Jojoas. On va pull tubercule poireau bah, qui a rejoint la game. Ah. Oui. Alors quand je vous dis que mon clic gauche est buggé, je suis en train d'essayer de le tirer là depuis tout à l'heure, ça ne marche pas. Ça y est. Allô. Bonjour. Hello. Bonjour mon cher tubercule. Comment t'as dit? Dit comme ça fait. mon cher tubercule, c'est très bien. C'est, on dirait c'est... un petit surnom un peu bizarre, moi ça me va. C'est ça. Hein. Voilà, voilà, tout à fait. Non, tu préfères qu'on t'appelle poireau. Tracine. Je suis en train, le projet de rejoindre le Discord est en cours, très bien. Notre projet, n'oubliez pas notre projet. Notre projet, bien sûr. J'ai fait un rêve dans lequel il y avait des tubercules. Bah, tu sais que peut-être bientôt les gens n'auront plus cette trêve. Hein.
Les gens auront quoi? Bientôt les gens auront plus la trèf. Oh, ça va rester quand même un petit peu. Mais si le projet. Ouais, mais les gosses de 10 ans, ils l'auront pas. Notre projet, oui, mais c'est les vrai gosses de 10 ans, déjà, ils voient Fortnite, ils voient que Keanu Reeves dans Fortnite, ils disent oh, incroyable, le mec de Fortnite, il va jouer dans Matrix 4, c'est fou. À un moment, tout se perd, hein, voilà. Et encore, je dis pas ça parce que demain, j'ai 29 ans et que je suis encore plus un vieux con qu'aujourd'hui, demain. Mais franchement, hein, les petits gamins là, tu leur mettrais le thème de Wii Sport, tu en aurais pas un qui reconnaîtrait, hein. Hein? Alors, t'as les enfants de 10 ans là? Les enfants de 10 ans, y'en a pas un qui reconnaît, je te dis moi. Pas un! La nourriture à des cochons là. Il y a une personne qui s'appelle EasyNut sur le Discord qui est en salle d'attente. N'hésitez pas à vous faire connaître sur le. Ah, c'est toi, très bien. N'hésitez pas à vous faire connaître sur le chat quand vous voulez rejoindre, etc. C'est toujours comme ça que ça se passe le mieux. Hop! Paf! EasyNote qui a reçu le lien et on pull EasyNote, bonsoir. Bonsoir Curie. Oh, Curie, est-ce que tu viens nous enluminer de tes perspectives incroyables? Oh oui. Je dis oui. Je dis oui, je valide. En moins de 30 secondes. Excuse-moi du coup EasyNote, j'ai complètement. Il y a eu un modérateur qui est arrivé, du coup j'ai voulu faire le faillot. Tu vas bien? Y'a pas de soucis, tout va bien, merci. Nickel. Et vous-même? Bah, très bien, écoute. Ça va, ça va, mais tu peux me tutoyer. Ça qui est bon, le fait qu'on lui souhaite son anniversaire. Bah. C'est horrible. Pas plus de monde. Oui, un peu. Un peu. J'aurais bien aimé que des gens fassent l'effort. Enfin, après, voilà. C'est... Deux. Quoi? Non, rien. Ah, je me disais aussi. On va. Est-ce que. Oui, tu as le lien, c'est bon. On va lancer la game. C'est parti. Et puis ceux qui veulent rejoindre, rejoignent au milieu. Curie, dans le doute, je t'envoie le lien. De toute façon, t'es modérateur. Tu sais comment on rejoint et tout. Dans le doute, je t'envoie le lien. Comme ça, je vais pas le faire pendant la game. Parce que ça va être chiant sinon. Je vais encore finir quatrième là. Alors juste avant, écoutez, je suis face à un petit dilemme. Comme je suis un graphiste de qualité exceptionnelle, est-ce que vous voulez que je dessine à la souris ou à la tablette graphique? Ouais. Dans tous les cas, je dessine toi, très mal. Fais ce que tu veux. Diminue ton niveau, s'il te plaît. Fais ce que tu veux. Mais non, mais le vrai niveau. De toute façon, les points, c'est dans la découverte. C'est pas dans le dessin. Ouais, mais comme ouais, ça, on aura moins de complexe. Voilà, très bien. Jouons tous à la tablette. On va même inverser. L'ordre des choses, c'est-à-dire que les gens qui ont une tablette vont avoir le droit de se moquer des gens qui dessinent à la souris, tu sais. De leur dire, ah bah c'est sûr que c'est pas avec une tablette qu'on fasse ça, hein. Je vais me sentir complexé. Le titre horrible. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt? Ah putain. Ah mais c'est Curie qui dessine en premier en plus. Oui. Oh yes. Oh, pouce bleu pour ça. C'est pas l'anniversaire au vieux. Oui, ça se comprend. En même temps, il y en a de moins en moins à leur souhaiter, donc c'est vrai qu'on a de moins en moins envie, quoi. C'est quoi ça? C'est une éponge, non? Ah putain! À chaque fois que je clique, ça va faire un truc chiant là. Oh, c'est les. Oh, je sais ce que c'est! Attendez, j'ai perdu le chat. On est trop à avoir votre kick. Pourquoi vous avez votre kick? Mais vous êtes méchant, arrêtez! C'est la tradition. T'es passé en 3D là. Pourquoi c'est la tradition? Parce que. Ah, ah, c'est tout ton mais non, c'est pas ça. Pas grave, ça. Oh, t'es un génie! Oh, je t'aime, Curie! Oh, je t'aime! Oh, mon dieu! Comment ça t'appelle? Une note de couleur en plus. Ah! Oh putain, mais c'est un SOS Miss Titi! Mais puis c'est ce qu'il a dit, comment ça s'appelle ce jeu? Mais. Il y a un nom à ça! Oh, il y a un nom à ça! C'est génial! Concentre-toi sur un des éléments, Pocket. Oh, j'avoue que j'aurais pas su dessiner! Incroyable! Incroyable, le génie entre en scène quoi, c'est vraiment genre regardez-moi cet enfant prodige là, regardez-moi cet enfant prodige. Le mec arrive tout de suite, la game prend une tournure intense quoi. C'est clair. C'est parce que j'ai eu mes premiers cours de com donc c'est bon, j'ai appris à communiquer. Ah ça y est, t'as appris à communiquer. Communique avec des SOS Justitia. J'arrive à mettre plusieurs mots dans une phrase maintenant, c'est incroyable. Ah là là, j'ai écrit Oustiti, ah mais la fille a aussi écrit Oustiti, ça va, je suis pas seul. Non, t'as rien vu. Si, t'as écrit Oustiti. Non, c'est toi qui a tapé deux fois en fait. T'as écrit Oustiti. Non, il a écrit la Via là. Il a écrit la Via là. C'est une illusion d'optique. 7. Oh, mais non, mais arrêtez avec la géographie là. Ah non, c'est pas de la géographie. T'inquiète. Si. Y'a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour savoir ce mot. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un arbre. C'est très très beau. Ah c'est très, très beau. Ah bah oui, bravo. Ah bon bravo. Oh, je t'aime pas. Merci. Si, non mais j'ai pas tout de suite reconnu l'Europe, mais
Regardez un petit bonhomme en haut de l'Europe là, il est irlandais lui. Il faut que tu aies que t'es au Chili. Il y a des petits skis là. Star Trek. Ah, il a des pieds énormes. Il y a des petits skis là. Il y a des petits skis là. Il va faire une descente en ski là. Comment ça s'appelle? Oh là là, je suis nul. Je viens plus des mots. C'est un fjord. Ah voilà. Ah non, il est à plus deux fois. C'est dommage. Ouais. Par contre, moi je me souviens qu'une fois dans une game précédente, il y en a un qui a dessiné la falaise, mais on ne comprenait pas du tout. C'était une falaise. Oui. C'était incroyable. Alors, on est sur du. 8-7. Ouais. C'est Harry Potter là? Merde! Ah merde! Merde! La communication, c'est pas encore ça, Curie. Suivez-moi, il te manque encore des mots. Oh, y'a un. Oh, mais. Quoi? Mais Tien, mais what the fuck? En fait, le problème de Tien, c'est qu'il a appris le dictionnaire par cœur. Mais écoutez, j'ai fait 4-5 games pour me chauffer tout à l'heure, c'est pas de ma faute. Quoi? Mais mec, mais arrête! C'est pas... Tiens, Auron, il est là, ton mont rouge. Et t'as fait un jeu. Putain, mais le mec, il a fait des games de chauffe avant de venir jouer à Scribblio, quoi. Mais quel mec vient et fait des games de chauffe sur Scribblio, quoi? Ah putain, c'est bon, j'ai compris. Écoutez, je suis allé chez ma grand-mère, j'en ai profité pour participer au tournoi local de Pictionary. Ah, moi je voyais une épée là. Moi je voyais une épée, je sais pas pourquoi, je croyais que c'était un mousquetaire. Ah oui, merde, incroyable. C'était sa grosse main. Avec un chapeau et une étoile dessus. Je connaissais pas encore mes bobonnets, mais ils ont des grosses mains en point. Ouais, le paluche là. Oh non. Mais. Ah. Oh, mais savon, mais c'était évident, s'inquiète, c'est savon. Mais putain, je l'ai pas trouvé. Bah, on a le temps. Il était si bien dessiné. Bah, du coup, moi je dis qu'on voit le kick, Léa. Mais quoi? Ouais, mais il y a des chances que ça. Il y a des chances que ça vote. Mais du coup, on fait quoi là? On teste. Bah, du coup. Non, en fait, c'est parce que c'est... ça y est, le chrono tourne. Ah, c'est la Via qui dessine maintenant, c'est bon. C'est la Via qui dessine. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça. Ah, bah. On est sur un mot en 9 lettres. Léa dead. Ouais, malheureusement ça marche pas toujours. Problème des gens en ligne, c'est qu'il faut internet. À partir du moment où il n'y a plus internet, ça marche plus. Oui. Un grand problème ça. Ça, je reconnais, c'est un pique-nique ça. C'est ce que je l'ai écrit donc. Ah merde. C'est vraiment pas ce genre ça. Mais non. Je sais pas écrire. Ah. Habile. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas écrire. Auron, tu es ton tapis, toi. Franchement, vous voulez vous marrer du côté des viewers, regardez ce qui se passe ici, c'est vraiment plus drôle. C'est vraiment, il y a des mots, c'est ça. Yes. Bouetted. Ouais, mais écoute, j'ai mon E qui se barre, du coup, c'est pas évident. C'est fait bouetted. C'est fait bouetted. Le mec, il s'est fait passer dessus à la brouette, bouetted. Je vais pas le temps de finir dans mon nuage. Oh là là. Ça pourrait limite être un terme technique de genre de cinéma de genre, c'est genre les slashers et tout. Ok. Ouais, là on fait une scène où l'incarnation du mal va brouetter le mec là. C'est vrai que ça marche pas mal. Ok. 6. C'est un Metroid. Raté. Ah putain, c'est pas les blagues d'habitude. C'est toujours la même chose. S'amuse. S'amuse à ran. Faut savoir que je suis très peu Metroid, alors ça va être fun. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est Auron qui fait juste des Metroid avant ses dessins. C'est ça. D'accord. Ah oui, j'ai quelqu'un qui fait ça avec des bonhommes d'Among Us aussi. Je reconnais, c'est un saucisson ça. C'est un crochet pour mettre vraiment le gigot. Qu'est-ce que c'est que ce bout de viande? Yes, je tienne. Merci beaucoup. Quoi? C'est pas la bonne couleur. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est la bonne couleur. Oula, attends. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non, mais qu'est-ce qu'on prend comme ça, un crochet? Ah ouais, si ça passe, ça passe. Putain, le pire c'est qu'il l'a dit, hein. Le pire c'est qu'il l'a dit, hein. Ouais, quelqu'un l'a dit, je crois. Oui. Mais par contre, ça n'a pas du tout cette tête là. Hein. Alors, juste, voilà, ouais, ça n'a pas cette tête là. Et en plus moi, de ça, ce qu'il a dessiné ne correspond pas à ce qu'il a dessiné en haut. Enfin, c'est pas le même état que ce qu'il a dessiné en bas, voilà. Oh, le jambon. Oui. En gros, il a voulu dessiner un jambon. C'est pas ainsi que nous accrochons le jambon. Il a voulu dessiner un jambon et il a fait un jambon cuit. Alors, Auron, tu sauras du coup, qu'on ne suspend pas le jambon cuit. Moi, je tiens quand même à dire qu'après ce dessin, on peut dire qu'Auron, c'est vraiment un jambon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et les efforts de Curie en communication, on assure pas ça. Hein. Attention, t'es pas prêt. Mais dans 3 mois, je te vends ta prochaine carte graphique. Allez. Quand on salait le jambon,
Et qu'on le suspendait en haut. Mais c'est Cartoon Network ça. Mais ce n'est avec une ficelle, tu l'empalais pas sur le crochet. Ah non mais je connais pas le nom de celui-là. Si je connais mais c'est... Attendez. Nice, j'ai jamais regardé ça de même. Harper et Finley, du coup c'est pas ça. C'est Sherlock et le Dr Watson. Mais non, souvent. Mais c'est... Putain. Ah là là, Pocket qui prouve que demain il sera vraiment un boomer. Mais oui, mais moi je suis trop vieux pour connaître ces merdes là. Mais c'était Tintin, ça se voit. Ça, c'est Finley, l'un des deux c'est Finley. Et l'autre c'est quoi, c'est Fudge? Non. Ouais bah c'est ça, mais ça. Finn. Parfait. Ouais, c'est Finley. Mais hein. Si, il a la tête de carré, la tête de cube, putain. Phineas et Ferb, mais putain, mais putain. En même temps, vous dessinez des dessins animés de zoomers là, allez-y, faites vos flosses de Fortnite de merde là. Putain. Alors vraiment, il y aura pas plus longtemps pour que vous avez maigri, le vieux. Est-ce que c'est un Metroid cette forme marron? Non, c'est une limule. C'est une limule. Non mais ça sert à rien d'écrire quelque chose pour l'instant. Hein. Non mais alors sachez par contre, sachez les viewers que les gens qui regardent Cartoon Network, ok, font partie de la même case de personnes qui avaient Canal J à notre époque. C'est-à-dire que c'est les gens qui passent beaucoup de temps devant la télé et qui voient des trucs que les autres ne connaissent pas. Et ça c'est terrible parce que moi à la cour de récré, j'ai subi des vraies discriminations sociales parce que je regardais pas Yu-Gi-Oh en même temps que les autres. Sachez-le. Mais non. Cartoon Network, c'est trop bien en plus. Mais quoi? Ah. Bien joué. Bien joué. Je reconnais ces Dragon Ball Feuille. Putain. Moi je savais. Tu savais toi? Putain mais moi il savait. What the fuck? Mais comment tu connais Phineas et Ferb? Tout le monde connaît Phineas et Ferb. Mais, oui. Mais comment ça, tout le monde connaît Phineas et Ferb? Je ne connais pas Phineas et Ferb déjà. Du coup, tout le monde ne connaît pas Phineas. T'as point. Moi, je connais pas. Tu sais que t'es pas le centre du monde, t'as pas de nombril. Mais non, mais c'est pas que je suis pas le centre du monde, Yuri. Mais c'est quoi, tu comprends pas dans tout le monde? Bordel de merde. Moi, je demande à tous les gens. Genre, voilà, moi, je demande à tous les gens de ma promotion. Je pense qu'ils savent qui c'est. Mais parce que t'es un zoomer, Curry. Curry, il faut que tu dises tout le monde moins 1. Tout le monde moins 1. Tout le monde, sauf tout le monde, tout le monde moins X. X étant X étant une variable égale à Y. X étant. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, à live. Avec la limite de X qui tend vers Pokéchu. Je te sens. C'est exactement ça, la limite de X tend vers Pokéchu. Ah, regardez, voilà. Dans le chat, il y a un détecteur à boomer. Quoi? Ah oui. Pourquoi ça fait deux fois que je suis éjecté de la partie, moi? Ok. Alors là, il va faire des trucs comme ça là. Et là. Comment tu l'écris Je vais écrire un truc genre. X-Men à la française. Hein, par contre, c'est écrit à la française. Ouais, c'est écrit à la. Ah, ça se voit que t'es pas du roller. Hein. Les skateurs. Oui, je sais, les skateurs normalement ils ont leurs pieds beaucoup plus sur l'arrière, mais en vrai, bon. Je sais pas. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas de U en fait. Quoi? Mais c'est pas moi qui choisis, hein. On va gagner là sur le dessin. Quoi? Tu me gagnes des choses. Comment ça, une croix gammée? Mais toi, t'as même croix gammée sur le dessin. Mais moi, tu sais qu'il n'y a pas de blague. Tu sais, moi, qu'il n'y a pas de blague avec la guerre, Tienne. Il n'y a pas de blague avec la guerre. Mon grand-père, il est mort à la guerre. Tombé la Mirador. On rigole pas avec la guerre chez les Muller. Il était de quel côté? C'est la seule question. Putain, mais je connais lui! Je connais! Putain, mais bien sûr! Ah, mais non, c'est pas ça. Je l'ai. En 8 ans, quoi? Par contre, c'est honteux, vraiment. Pardon? Ah, enfin. Ouais, Léa qui est revenue. Ouais, mais je crois savoir pourquoi ça merde. Il pleut chez moi. Ah! C'est un caca de chien? Du coup, c'est pas compliqué avec la pluie, quoi. Enfin, mais c'est un chien! C'est, une panthère, oui, c'est la panthère rose, mais en rouge. Mais non. Je vois si j'ai trouvé, hein. Alors qu'en plus là, je suis sûr, genre ça c'est plus boomer. Ah mais c'est qui ça? Ah oui, j'avoue. Ah, mais là, alors là, par contre, Curry, là tu vas encore sur la génération d'encore avant. Tu vas sur la génération qui regardait les dessins animés dans les années 80. Ton âge. Ça c'est la bonne génération. En 2000, t'avais 9 ans. Clifford, c'est moi. C'est pas les années encore avant Clifford. Le gros chien. Non, c'est 2000. Je crois que c'est chez nous. 2000, c'est pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il va y avoir un film live action là-dessus. Clifford. Ah ouais, t'as raison. Non. Rien d'os au début. Oui, c'est parti bizarrement, hein, mais. Alors, c'est vraiment. Alors, elle est belle cette clé. J'ai pas Clifford non plus. Bah, c'était un peu plus tard, du coup, Jamère. Mais en fait, j'étais quand même déçu que ce soit pas Dragon Ball.
Mais non, mais moi, tout ce qui est série télévision obscure, globalement, bon. Mais c'est même pas obscur, Clifford. Ouais, c'est même pas obscur, Clifford, bon. Alors, c'est vraiment honteux, parce que je sais plus du tout à quoi ça ressemble. Quoi? Ah bon? Les gars, mais si, là, c'est facile. Ah putain, mais c'est cool. Mais oui, c'est facile. Oh, putain. Je fous pas la merde à ça. Ah oui, mais... Ah oui. Je vois ce que c'est, mais... Améryacin! Améryacin! Ah non, Aldrin, je te permets pas. Allez, d'accord. Je... Le football à l'Améryacin. Franchement, il est beau. Hein. Est-ce que vous aimez bien le football? Manifestant pro-Trump. Oui. Hermito Armor. C'est quoi cette partie du corps? Tu joues avec quoi? Dommage, tu t'en mets une sur la tête. Vous préférez quoi comme sport? Le football améryacin ou plutôt le football américain? Si vous connaissez pas, c'est une Le football, c'est. Mais quoi? Mais. Yes, sir! Vraiment? Ah, ok. Ah oui, ah, oui bien Putain, sûr. Je suis lent. Oh. Bah là, globalement, tous ceux qui sont derrière moi sont lents. Globalement. Je suis cinquième! Je suis cinquième! Arrêtez, je suis cinquième! Non, mais c'est pas comme si je faisais de grosses pertes ce soir là. Ah oui, le ping, c'est vrai. Hein, okay. Je tue toi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais oui, je te dis, ce soir, je suis vraiment une merde. Et 3-2-4! Oh, 3-2-4! Oh! Ah c'est vrai que ça commence par un spray bruit. Ça c'est bien, c'est on dirait un sponsor dommage. En fait. Regardez Tienne qui a déjà commencé à sortir son dictionnaire là. Hôtel de ville. Tienne il a déjà sorti ses trucs là. Ah oh, hôtel de ville c'était pas mal, je cherchais. Il va le sortir direct, j'en dis qu'il va voir le mot, il va comprendre. Quoi? Ah c'est un pull à col roulé ça je reconnais. Mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Allez bim! Oh, allez bim! Trop rapide, Pokéchou! C'est bon. Vous avez vu, j'ai fait un dab, normalement, ça veut dire que je suis jeune, ça. Ouais, mec, t'es trop un jeune. Eh, hey, venez, on va regarder Phineas et Ferb et jouer à Fortnite. Je pas dire avec le nouveau skin Clifford, là. Magnifique. Ouais, mais le truc, c'est que Phineas et Ferb, c'est 2010, hein. C'est pas du tout. Bah, voilà, c'est pour. Non, mais alors, Phineas et Ferb, c'est 2010, mec! Mais 2010, j'avais quel âge? J'avais au moins 35! Non mais on a juste Pocket, à la peine de justifier, on accepte l'ignare que tu fais. Tu es vraiment zoomer après ce dame, merci Jojoas. La validation. Je peux dessiner Finn et Jake si vous voulez mais je saurais pas les faire. C'est qui Finn et Jake? C'est ceux de Adventure Time. Ah oui. Mais c'est trop bien Adventure Time. J'ai essayé de regarder Adventure Time et j'ai pas trop apprécié en vrai. J'ai regardé le premier épisode où il y a une les bonbons ont des crises d'angoisse et du coup il faut pas les faire angoisser alors qu'il y a des zombies. Et du coup j'ai vu ça et j'étais en mode. Moi j'aime bien. Ils ont pris combien de kilos de drogue? Mais non. Non mais après c'est des tu sais c'est un peu genre Rick and Morty etc. C'est des dessins animés. Ah je connais. Même pas, c'est beaucoup moins trash. Oui, alors après, non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas ça, si. Vas-y, c'est le deuxième. Oh, ah, la chaussure. La limu, la chaussure, mais oui. Giallo Secanto Costeldrip. Bonsoir, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce qu'on peut tous dire bonjour à Giallo Secanto? C'est trop compliqué. Bien sûr. Laissez tomber. Ça tombe dedans, il y a un mot interdit. Bonjour Giallo Secanto Tail Drip. Je crois que Tail Drip, c'est un peu un truc pas bien, non? Oh merde. Bref. Mais quand même. Oh putain, il y en a deux roulettes. Mais j'ai. Oui, bah oui. Bah oui, il y en a plusieurs des roulettes. S'il y en avait qu'une, ça serait problématique. Ça serait une chaussure, ça serait illusoire. Oh mon dieu. Mais en plus, ça existe, ça, des chaussures à une seule roulette. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire, les hélices, sauf que ça a 10 ans aussi, les hélices, c'est pas 12 ou 15. C'est plus difficile à une moumoute dessiner parce que normalement, elle met des couleurs. Le pire, c'est que ça se trouve, tu vois, Giallo machin, là, il est anglais, il a même pas vu que le stream est flagué FR, il est juste arrivé, il a mis Link. Ou alors, il essaie de deviner le dernier dessin. Non. Genre, il était en mode, c'est une ref à Zelda. Is that Link? C'est une ref à Zelda, hein? Ben, je reconnais, hein. Ah oui, c'est Zelda. Je reconnais. Ah, c'est une référence. It's Pikachu! It's Pikachu! Non, fuck! Ça, désolé, c'est ping! Mais c'est pas. Y'a zéro ping! Qu'est-ce qu'il raconte, putain! Ah, c'est le ping, mais c'est 100% ping! Je reconnais, c'est Max Bullbill! Quoi? Quoi ça? Oh, mais c'est génial la notice! Ah! Non, quand même, les gars. Par contre, oui. Peut-être que Giallo, il voulait venir nous dessiner des croix gammées, peut-être.
Vous devriez prendre des cours de communication, comme ça on comprendrait tous mieux. Monsieur, qu'est-ce qu'on comprendrait mieux quoi? Bah là, ce que vous dessinez et tout, j'ai du mal moi. Le Discord, c'est facile à reconnaître là, à un moment là. En fait, tiens, vous dessinez la Corée du Nord, ça va être incroyable. Les cours de commu, ça sert que à comprendre les gens qui ont fait des cours de commu. C'est pas très utile du coup. Mais du coup, on est deux curieux. Enfin, en tout cas, moi j'en ai fait. On aurait dit par rapport. Oui, un peu, ouais. C'était pas. Mais c'est pas, c'est pas un des mecs de WarioWare. Est-ce que non, ce serait pas un. Non. Un dab ? Non, non plus. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Oh, c'est vraiment ça en plus. Ah ouais. Voilà. Oh, en vrai, c'est pas gentil du tout parce que c'est un dessin qui est très caricatural, c'est pour vous faire deviner, mais c'est pas gentil parce qu'il faut pas se moquer des personnes qui sont dans cette condition parce que il y a des gens pour qui c'est un cercle infernal. Sachez-le. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il l'a dessiné comme ça. Je vais marquer pardon. Et c'est pour ça qu'il a oublié un T. D'ailleurs, c'est vrai, hein, il pourrait écrire bien hein, le mec. Hein. Il pourrait écrire moi, bien, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu écrire j'ai faim. Donnez-moi un ticket restaurant s'il vous plaît. C'est vrai. C'est vrai. Si cela ne vous dérange pas, je vous prierai d'essayer d'accéder à ma requête. C'est vrai. Non, il y a des gens pour qui c'est horrible ça. Cependant, sa condition financière ne présume pas son niveau d'éducation. Et voilà, exactement. Exactement. Bien sûr. Exactement. Ceci est un indigent. C'est quoi un indigent? Le montgolfière. Alors attends, ça c'est un champignon, ça je reconnais. C'est ça. Pas grave. Ouais, je l'ai tenté. Regardez, c'est un champignon ça. Jamais. Poète Sorut, tu vas bien? Ça serait marqué. Hello, ça marche, c'est marqué. Attendez, c'est du combien là? C'est du 9? Putain, j'ai mis un putain de. Aïe aïe aïe, le R, c'est dommage parce que pour le coup j'avais pas le ping pour te battre, Kuril. Hein. Ah, mais c'est un militant japonais avec son super brassard. Quoi? Il milite pour le Japon, quoi. C'est vraiment genre le Japon, le Japon, le Japon. Wouh! C'est Jean-Marie Bigard? Quoi? On dirait qu'il a deux ongles. Encore la place dans la room, bien évidemment, Sorut. Je t'ajoute. Je te file le lien. Sorut, où est-il? Moi je vous laisserai après celle-ci. Yes! Paf! Alright! Qui c'est qui a dit qu'il nous laissait par contre? C'est Tubercule Poirot. Merci. Excuse-moi, il y a beaucoup de monde et des voix que je connais pas forcément. T'inquiète, t'inquiète. Forcément. Ah merde, c'est 12 de 5 ça. 10 de 5! Petit 10 de 5 là! 9, c'est une nappe de pique-nique. C'est un 9 de 5? Ah 9. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que cela? Pas bien. Content déjà. Alors, tu prends tu fais à l'inverse. Pic de texte, quoi. Oh, le petit détail qui m'a bien. Waouh. C'est professionnel. Sur une. Voilà, ok. Ouais, là, je crois que. Il est pas content d'être un damier là pour l'instant. Là. Ça se passe pas bien pour lui là. Oh là, il est à deux doigts de la dépression là. On s'est caché finalement. Hein. Le Xanax n'est pas loin qui sexe. Poche. Oh, je l'ai en fait quoi. Quoi? Mais il y a du caca dessus, mais qui a mis du caca dessus? Ce qui m'a vraiment aidé en fait, c'est vraiment rien quoi, mais je l'ai. C'est pas un mouchoir de poche? C'est pas un mouchoir en tissu non plus? Pourquoi il y a du caca? Merde. Je pense que c'est une barbe. En fait, c'est genre vraiment. Genre. C'est juste un rideau. Mais non, mais vous êtes nuls. Bah, Curie, là, excuse-moi, mais c'est je crois que t'es cours de com. C'est bien dessiné, mais c'est. Putain, c'est serré de table ou quoi? Wow. C'est la vienne. Mais pourquoi t'as mis du caca dessus? Mais non, mais elle est pas contente d'être sale. Mais moi quand j'ai une serviette sale comme ça, je la change. Je sais pas ce que tu fais avec des serviettes de table, mais. Ah là, c'est je sais pas, il y avait du chocolat qui a. On comprend qu'elle soit pas contente, putain, de ce rut. On est pas tous dans ta tête. C'était la pire serviette de table jamais. Après, moi mes serviettes de table personnellement elles sont bleues. Après, bon.
Mais moi j'en ai des rouges et des bleus qui sont comme ça à carreaux. Moi j'en ai des rouges et des vertes. Ah là je suis con aussi. Passe ton chat avec sa serviette. Tiens, c'est con. Comment tu s'appelles? Oh, je suis débile. Ah oui. Trop beau. Putain, comment ça s'appelle? Merde, je sais plus comment ça s'appelait. Mais si, c'est facile, ouais. C'est Nelson Mandela. C'est compliqué, Kuril, hein. Il est où, Scrat? Le c'est vrai qu'il trouve qu'un pas, Scrat. C'est un sacré gland, quand même. Hein. C'est un sacré gland. Effectivement, c'est vrai. Oh, c'est putain, bon, merde. Aujourd'hui, on a fait de la TVA et tout. Du dessin. Eh oui, les excuses. Eh oui, non mais si, il a raison, hein. Il y a pas de TVA sur les glands, donc forcément, il a pas vu. Qu'est-ce que c'est que cela? 9. Ça se marche. Je suis obligé de me concentrer, c'est terrible, je plisse les yeux pour voir les mots et tout, la vieillesse me touche là. C'est Son Goku ça, je reconnais. Non mais c'est trop bien dessiné Street pour Fighter. Moi. Ouais. Bah, c'est exceptionnel. Donc. Ah putain. Allez hop, c'est dingue, dingue évidemment. Ah, par contre, la couronne à la place des cheveux, c'est. On reconnaît, c'est des Hulk cheveux, Hogan. Écoute, c'est. Hulk Hogan, c'est de l'art. Hulk Jackman. C'est Hugh. Pourquoi j'ai dit Hulk Hogan? Qu'est-ce que c'est Hulk Hogan. D'accord, attends. Hein. Mais non, mais j'ai pensé Hugh Jackman, mais j'ai dit Hulk Hogan. Voilà, ça m'arrive. Il a une cravate. Une cravate? Non, je lui mets une cravate parce que c'est comme ça. D'accord. Ah, c'est suce tout ça, hein. Voilà, c'est ça, c'est suce. Alors, je l'ai plus souvent vu en débardeur blanc qu'en cravate, mais bon. Sacré mais là, il voulait distinguer, il venait. Ah, regardez, il, avec son sang, il s'est bien coiffé pour location. Location, putain. Quoi? Location? Location. C'est pas ça. Location. Il y a un caca et un pipi qui sont partis quand même, hein. Quoi? Bah non. Évident. Bien sûr. Est-ce que c'est merde, ça j'ai un doute. Non, c'est pas ça. Bah moi, je reprends. C'est Voltorb. Bah dépêche-toi, là, viens. T'as 15 secondes, là. Toi aussi, tu vois le champignon de Tintin, je suis pas tout seul. Bah oui. C'est le Japon, là. Ah. Ah oui. Ça marche aussi toujours pour les lignes sérieuses. Insupportable. Attends, pardon, c'est toi qui fais le doublage en fait? Quoi? Oui, c'est moi, oui, je suis doubleur officiel de Toad. En fait, ils ont viré Charles Martinet parce qu'il était trop vieux et ils ont engagé un autre vieux à la place. C'est Charles Martinet qui fait Toad ou pas? Peut-être pas. Oh, attendez, il dessine son Metroid là, doubleur Toad. C'est bien Charles Martinet. Ah non, c'est Jen Taylor? What? Mais non, mais actrice de doublage américain. Et voilà. John Stoker. Mais en français. Luc Hamet. Je pense. Luc, je crois. Hein. Du moins, c'est les premiers résultats sur Google. Filmographie, doublage. Doublage. Ah merde. Putain, mais j'ai raté le mot du coup. Alors que c'est guitare, c'est hyper facile. Je sais pas écrire guitare. Putain, la guitare, elle est pas coiffée sur le manche là. Elle est pas coiffée du tout. série télévisée, jeux vidéo. T'as quoi contre les guitares à pro? C'est pour un style de musique très non, particulier. Non, c'est pas lui du coup. Ça fait un son particulier, le manche qui change. Todd, c'est Sam ce Kelly. Si on dessine comme un manche aussi, ça l'aide pas. Il est nul. Mais non, mais c'est en anglais, Sam Kelly. Fait chier là. C'est et en même temps, il a pas de voix française, Todd, en fait, j'y pense. Et oui, c'était con de chercher une voix française pour Todd. Oui, simplement. Hein. C'est Zelda, ça, je reconnais. J'ai eu limite of time. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont fait Todd. Oui. Comment? Des meufs. Merde. D'où est-ce qu'elle me vient, la haine de Toad, déjà? Qu'est-ce que c'est? Ça vient pas de Mario et Lapin Crétin, la haine de Toad? Si, un peu, hein. Genre, il est insupportable dans les Lapins Crétins, c'est affreux. C'est que des missions d'escorte et il va se jeter sous les ennemis. C'est horrible. T'es en train de faire un tactical shooter. Il faut faire hyper attention à tous tes moindres mouvements, etc. Et t'as Toad qui court partout comme ça en mode... Mais pour moi, ça, c'est des rubis. Putain. Ouais, bah non,
Alors c'était très beau, Tian, mais effectivement c'était pas explicite quoi, finalement. Et ils sont verts. Comment ça, ils étaient... Non mais pour moi c'était un rubis de 1 quoi, c'était un rubis. C'est ça, 1. C'est un rubis. Pour moi c'était plus les émeraudes de Minecraft. Oula, ouais. Ayumu qui dessine de plus en plus gros. Oula, Harry Potter, il est, un peu de... il est en train de s'endurcir là. Il est en train de s'endurcir. Il est en train de devenir grave. Non, juste gras. Il a poussé à la salle, il s'est épaissi. Il s'est épaissi le visage en poussant à la salle. Il a pas encore fait la sèche, il a pas encore fait la sèche, laissez-le tranquille. Mais non, mais il a eu une réaction, il a mangé à la cantine, une réaction allergique. C'est un concombre. C'est un petit pois. Ouais, c'est un poireau. Oh, c'est Shrek. Ça finit par un dé. C'est pas Shrek. Content. C'est un caca. Ah merde, c'est comment? C'est bon, je l'ai eu. Oh putain. Dommage, je m'accule. J'ai hésité. Tu es gros, Harry. Merci, tu es Tu es en surpoids, Harry. Cette vanne, elle est beaucoup trop grand pour la taille de l'écran, Harry. Bon, allez, je suis dentiste, Harry. Tu as du diabète, Harry. Ah putain. Alors bon. 6 et 6. Avec un trait d'union. Non, 6 6 36, j'apprends. Moi j'aurais dit 12, j'aurais été plus rapide, mais bon. C'est vrai que 6 et 6, 36. Ça marche. J'ai raté, je vais pas écrire ça. Ah wow. Oui. Ah oui. Ah oui. J'ai dessiné ça à côté, je pense. Mais ça, comment ça connais. Ah bah oui, c'est oh, vraiment... Oh, quand même, là, je sais pas, le tiré, il est mis de bas, je pense que tu en fous dedans, quoi. Non, Kiri, si tu vois toujours frontière. Non, mais de toute façon, ça se jouerait à l'orage. Je suis deuxième alors que je suis nul à chier. Ah, ça t'es deuxième. Ah, tu m'as battu. Ouais, c'est le ping. Pas du tout, hein. Alors okay, que c'est Emile, ce que tu dis. Ah, c'est vrai, c'est le ping. C'est vrai, c'est le ping. Vraiment, c'est sympa, les gars. Bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à toi, merci pour ton passage. Bisous. Je reste sur le serveur au cas où il toujours live. Moi, peut-être que je repasserai. Ouais, j'arrive. A plus. Moi, je vais vous laisser du coup. Bonne soirée à toi aussi, la plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Tu files aussi, Jojoa? Non, non, je féliciter les gens. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. Félicitons-nous. Après, bon, vous êtes quand même en dessous de moi, ce qui est pas terrible, mais bon. Ouais, mais t'es en dessous de Tienne, et Tienne est notre représentant, donc on est au-dessus c'est de toi. Ouais, c'est vrai, puis, c'est vrai. T'as pas de tact, Pocket, donc finalement c'est toi qui en dessous. T'as pas de tact, finalement, donc. Oui, mais toi, Pocket, tu es une merde humaine, donc ça va, en fait. Ah voilà. Ok. He's ok. Ah, ça, on connaît ça. C'est celle. Ta. Non. Des. Si tu n'as pas toujours les mêmes. Il y a un problème, j'ai pas fermé. Non, c'est pas ça, c'est pas. Okay. Ayumu, j'ai dit cul, elle rigole quoi, c'est vraiment. Il en faut peu. Pour être heureux. Ah, ah, c'est un crochet ça. Putain, mais ça a fait rire. C'est la une cape, c'est Superman. C'est un man. Je sais pas. Ça, c'est une frite. Je pense que quoi c'est... You should not pass. Ah, c'est un pou. Il y a une canne et un drôle de marteau. Putain, c'est pas vrai. Putain. Mais... C'est pas vrai. Manteau. En trois lettres, Mémo, en trois lettres. Je l'ai pas. Plus simple. Pense simple. Il a une de ses têtes simple. Par contre. Pense simple. Regarde ce qu'il a sur la tête. Vaisson. Genre il a un morceau de cou. Ah, ah oui, pardon, je suis con. Ok, d'accord, ça va. Pense personnage de Smash comme l'ami Denver dans le chat. Et puis il y a une petite dent. Ça fait chier, ça fait apparaître ces trucs là. C'est quoi déjà? Regardez, c'est trop bien, je peux écrire et ça écrit des mots. Oh là là. C'est fou. Quand j'écris, ça écrit des mots, c'est dingue. Mais non, mais j'écris avec la tablette. Oh là là. Évidemment, ça se moque de moi. Je connais ça, c'est... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du chien rouge, putain. Clifford. Clifford, merci. C'est pas Clifford. Ça c'est l'Europe. J'espère que c'est pas l'Europe, parce que sinon c'est encore plus moche que ce que t'as fait avant. Bah merci. C'est un beignet. C'est Patrick. J'ai peur de ce que c'est en fait. J'ai pas d'idée là. On dirait un peu les géants dans Majora's Mask. Ah c'est vrai.
Bien joué. Avec le nez rouge. Mais là, malheureusement pour vous, personne n'aura la ref. Et si je l'ai, je... Ah, bien joué. Bien joué, Jojo. Car je suis également vieux. Voilà. Car tu es également vieux. Oh, mais je pense que Ayumu, elle est légèrement trop jeune pour avoir connu ça. Il lui manque attends, deux ans, je crois. Je crois que je connais, mais c'est quoi le nom? Google est notre ami. Non, c'est pas Bart. Celui-là, vous le connaissez éventuellement si vous êtes un serial memeur. Éventuellement, si vous êtes un serial memeur, vous le connaissez. Mais non, c'est le retrouver il y a longtemps. Elmo, sa chatouille, c'est ça. Putain, mais c'est toi, Memo, qui avait une peluche de Memo là, de Elmo, quand on lui appuie sur le ventre, il faisait. Ah oui, je l'avais aussi. Aïe, aïe, aïe. C'était terrible. Il s'arrêtait pas. Et je crois qu'à la fin, le truc était un peu pété, ça donnait des bruits démoniaques, genre. 3-1-4. Facile, bien sûr. Ah oui, c'est arc-en-ciel. 3-1-4, arc-à-ciel. Arc Adia. Pour moi, là, c'est clairement un masque au début. Ah, c'est un rouleau de PQ, ça. Passer à la machine à laver. C'est un rouleau à pâtisserie. Oula, Alors, il y a un gros effort sur le dessin. J'avoue, c'est voilà. Très beau. Je reconnais, mais j'ai pas le dernier mot. Je reconnais, mais j'ai pas le dernier mot. Franchement, je le dessine comme si j'en avais jamais fait. Insupportable. Bah, insupportable quand t'es un enfant. Quand t'es un enfant, les jouets, quand t'appuies dessus, ça fait du bruit, ça te fait kiffer, tu vois, c'est génial. Ah bah oui. Mais c'est sûr que plus tard, c'est devenu assez curse. Quand... Je sais plus, on l'avait retrouvé, je crois. C'était terrible. Oui. Hein. Putain, moi j'ai un truc comme ça. Genre, j'ai un. Chanel, c'est deux seuls. C'est pas le logo de Chanel. Oui, voilà, c'est ça. Genre, dos à dos. C'est un peu comme DC, mais avec un. Moi j'ai un truc comme. Genre, j'ai une figurine. Quoi, c'est un peu comme DC. Il fait ouais, comme DC Fuse. DC quoi? 5, 2, 4. DC Fuse, les chaussures DC. Ah, pardon, ok, excuse-moi. J'étais en mode DC Comics. Qu'est-ce que c'est qu'il soit? Oui, moi aussi. Moi, est-ce que j'ai connu les Geox? Mais là, par contre, non, en fait. Mais là, 5-2-4! Mais là, 5-2-4! Ah oui, mais 5-2-4! Mais 5-2-4! Mais c'est évident! 5-2-4, les gars! C'est pas le vieux du jour! Putain, mais... Allô? 5-2-4! C'est pas ça! Allô? Ah, en fait, c'est parce que c'est Pearl Harbor. Et Tien, il te réduit le timer. C'est de la géographie. Et Tien, il prend le timer et il le met dans son cul, quoi. J'avais ça au punaise de lit, hein, donc le choix était vite vu. Là, j'ai dit, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était des conneries. Moi, je voyais. En fait, mais d'accord, mais je retiens pas, moi, dans son tableau, dans son cul. 6. C'est une maison, ça, je connais par cœur. Je dirais qu'il y a des fenêtres de part et d'autre, déjà, ouais. Je vais vous laisser, j'arrive pas à me concentrer sur mon boulot. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à toi, MMO. Force et honneur, comme on dit chez nous. Bye. Pardon, comment t'as trouvé là? Incroyable. Outstanding. Photoréaliste. Merci. Quoi? C'est une église. Merci pour ton follow, GF Lavoche. Bienvenue à toi. C'est une usine Amazon. Je peux t'appeler Favoche? Mais c'est une église, mais je sais. Ah, mais non, mais c'est une école. C'est je sais. C'est bon. Oh, il l'a, bien sûr. Chouk a donné. Oh, tiens, petit Chouk. Ah, bah oui. Ça va, je te remercie, toi. Ah, effectivement. Le tien, petit Chouk. Tu m'as déçu. Le tien. Nous tenions. La limule. Je le tiens. Je le tiens. Bien joué, j'ai attendu sur le mot limule. Et du coup, ça va vraiment être ça. Et on va, genre, on va pas trouver. Il va faire son truc et on va être en mode. Bah, où est la suite? Bien joué. Où la suite? J'ai des liens gâteaux quand même. Oh là. Ah. Oh là là. C'est un VF. Aïe aïe aïe. Pardon, j'ai des gens. Nickel, à part toutes les inondations. Ah merde, t'es dans une coin, Favoche. Je peux te join. Bien sûr, il faut que tu passes par le Discord. C'est ici. Et tu fais un petit coucou sur le chat de l'amour. Et je t'enverrai le lien par MP. Tu vois.
c'est une mouche. Ah. Quelle est cette chose? Mais oui, ah, la lettre est un gros indice là. Mouche. C'est la fin du monde, c'est le combat final en fait. C'est ça. Le combat final, Gimule versus mouche. Je sais, on s'en fout. Hop, tiens, voilà, tu as le lien, Flavoche. Et si tu veux venir sur le vocal, il faut passer par la salle d'attente. Ah, il a un chapeau bleu. C'est une balançoire. Ça partait très très mal. C'est une balançoire, il l'a pris dans les couilles. Je viens pas en Vogue DSL, t'inquiète pas de soucis. Ah. Bah ouais, désolé, quoi mais là. Désolé. 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 Faut faire le masque à du mouvement. Ah mais ah, je comprends pas. Ah, je faut faire la posture bien crade porno là. Faut faire la posture bien crade porno, c'est ça qui leur manque. Avec la douche, avec la douche. Ah, avec la douche. Ça, c'est référence à ce que j'ai décidé. Mais oui. Ah oui. Merde. Bon, pour la peine, je l'écris quand même. Il est quand même vachement loin de ses dents, comment ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche? Une lobotomie. Bien sûr. Vous voulez faire croire qu'il avait chez le dentiste. Hop. Oh putain, je pense que je l'ai mal fait là. Ouais, j'ai mal fait. T'inquiète pas. Ce sera pas la première fois. J'ai foiré la perspective là. Je pense que j'ai foiré la perspective. C'est pas grave, Curie. Putain, j'ai foiré ma perse, putain! Ok, tu peux la faire à ta place. J'ai foiré ma perse, putain! J'ai quand même quelqu'un de très bien et de très apprécié malgré tout. Ah, putain, voilà. Ah, si, j'ai bon. Voilà, j'ai trouvé en premier, c'est parce que c'est ma vision des choses. Voilà, c'est la perspective de Curie là! Pour info, j'avais en vrai, je connais. Genre, je vois pourquoi t'as raté ta perspective. Bah, c'est pas ça, parce qu'en fait, j'avais pas appuyé sur entrée. Ah! Mais t'es sûr que j'avais le mot qui attendait là comme ça et moi je me disais mais c'est quoi alors? Alors moi je suis aussi con qu'une huître hein, par contre hein. C'est dur. J'ai raté ta perspective. Ah là il a raté ma perspective là je crois. Non tu l'as pas appelé propre en fait. Je t'en sers contre les autres, c'est bien. Ouais. Non mais aussi la perspective c'est le piège de ça. Ah c'est pas mal. 7000 quoi? Ah oui hein, incroyable. Termina je crois, c'est Termina c'est ça? Terminado. Pididali papou. Pipipididali. Bourg clocher pardon, pas Termina. Bon, grâce à Flavoche, le dernier se trouve à Termina. Il y a une qui tente la porte, comme moi tout à l'heure. Ouais, bah écoute, c'est rien. 5. C'est un fantôme, ça je connais ça. C'est Casper. Et on est con. C'est Luigi. Oh. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. C'est son nom, moi. C'est presque Luigi. C'est presque Luigi, mais avec les cheveux rouges. C'est sûr. Luigi. Et des gros tétés. Et des gros tétés, putain. Et qui a une belle voix. Les gros tétés. Attends, non, tu te permets pas, Luigi, c'est quand même un beau ténor. Il tient bien sa note. Oui. Oui, oui. Luigi, c'est l'humain parfait, hein. Vous allez arrêter. Oula. Norman a fait une chanson dessus. Ah bon? Oula, attention. C'est un rêve de boomer aussi, hein. Ça, c'est une rêve de boomer, en effet. Quoi? Quoi? Mais... Ok, ça va. Ah, bon. En 6? C'est pas étoile? Bon. Ah, y'a Humo et Curie qui ont essayé, donc non. C'est bon, je l'ai. Essaye quand même. Regarde. Et j'ai essayé aussi. Trouver la réponse. Trouver la réponse, faut regarder en dessous de ta touche B. C'est pas facile avec la touche N, V, point d'interrogation, C et un plus X. Mais ça ne marche pas avec la touche A. Par exemple. Effectivement, non, ça ne marche pas. Il me semble que je l'ai déjà fait, ça devenait faire devenir espace en dessinant un clavier et la barre espace. Ouais, c'est possible. C'est bien joué. Putain, j'ai chaud. Je vais dire... Combien 6 6. Cet homme est décédé. Flèche. Voilà, c'est pour celle-là. Avance. Je vois plus le chat, fais chier. Oula. Quoi? Ah, c'est un massage cardiaque là. Faire un dessin suggestif. Oula, oula, il est en train de lui percer une côte là. Non.
c'est pas... faut pas faire comme ça. Il y a quand même un mec qui c'est une hémorragie, mais ça rentre pas. Vraiment, c'est marrant, je vois pas le bateau. Quoi? Quoi? Ah. Mais Flavoche, il a trouvé! Ah, et eh ben j'ai trouvé aussi. Quoi? Mais si, mais c'est un cimetière ça! Mais c'est quoi, c'est un croque-mort? C'est une pierre tombale, c'est une épitaphe. Épitaphe. Le deuil ne marche pas. Putain! Ah, la tombe, la tombe qui sourit quoi. Ah, si, je sais. C'est la mort. Merde, non! Celle, elle est... Yes! Oh non. Oh oui, ah, merci pour cette mauvaise orthographe. Mourir. Je vais leur donner. Mourir. Mourir. Mourir demain. Ah oui. Il y a eu mourir. Putain, on entend le souffle du ventilateur. Ah pardon, excusez-moi. Et il y a eu le dieu aussi. Hein, Pocket, on le voit donc ton dieu. Oui. De quoi? Ton dieu. Ça va. J'avais un ventilateur dans les pattes, désolé. Oh là là. S'il vous plaît, les gamers là. Ah non. Je savais même pas que ce mot y était, sans déconner. Si, on l'a déjà vu. C'est des mots ah bon plus même que la puce, elle savait pas ce que c'était. Ah, oh, j'avoue. Peut-être. Pas ça. GameCube. C'est l'heure du. Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Faut qu'on refasse. C'est Steve. Fabrice là. C'est Steve. Oui, Fabrice. Ah non, c'est ça. Fabrice. J'aime trop. Wagonnet de la mine avec Fabrice. Le jeu de survie français. Je crois que le jeu il aurait aussi bien marché. Minecraft, hein. Je pense pas, non. Moi, j'ai jamais c'est dormir ça, c'est mourir. Oh. C'est un marteau. C'est un juge. C'est même pas une poêle. Oh oui. Non, c'est même pas une poêle. Ah, je l'ai effectivement. Loupé. Ah, oui, c'est rigolo ça. FDR. Lol, c'est vraiment le cirque du récit. Mais c'est parce que j'ai fait des cours en comité de création, on a appris à faire du monde. Tu es 1h30 depuis, ça a révolutionné le monde. Est-ce que du coup vos cours de communication, c'est on peut plus rien dire, vous avez 4 heures ou pas du tout? Non, absolument pas. Vous faites pas du tout philosophie, rien du tout. Ah, non, ah je connais, non, c'est un dentiste. Ah non, c'est un Metroid. Ah non, la prof elle a dit, on va pas faire de fond ici, on va faire que de la forme. D'accord. Que de l'argent. Que de la forme. Bien sûr. Par alors, contre, je crois que le Metroid, merde, c'est dans l'autre sens, hein. Perron. Possible. Oui, c'est sûr même, je crois. Hein. Hop. Mais de toute façon, il l'a fait dans les deux. Alors. Rassure-moi, c'est son bras, par pitié. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce c'est son bras, le personnage d'Overwatch? Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, hein? Fait, ça. Ah non, t'as raison, c'est le bon sens. Excuse-moi, my bad. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Non, mais il est vraiment, il est très très beau. Il est très très bien. Merci. Ah, c'est je combien? C'est en 10 là? Ah oui. On voit qu'il fait ça dans le couple là, je suis inquiète. Ah oui, moi clairement, j'y touche pas. Moi, tous les soirs, je passe une heure en cuisine, mais alors le ménage, je déteste vraiment. Je le fais, mais à contre-coeur quoi. Non, il a pas le choix. J'aime pas du tout, j'aime vraiment pas du tout. Puis l'aspirateur en particulier, en fait, pour vous dire, l'aspirateur, je préfère passer le balai. Ah, bien vu, en fait, l'aspirateur, ça fait du bruit, ça souffle de l'air chaud, c'est chiant parce qu'il faut le tirer et c'est lourd et ça vient jamais au bon endroit. En fait, t'es juste nul avec un aspirateur. C'est ça. Oui, mais en même temps, c'est lourd et t'es obligé de faire ça et ça fait. C'est trop chiant, c'est trop casse-couille. Avec un ordinateur, je suis en serveur. Et si t'as la malchance d'avoir un aspirateur à fil, t'as le câble qui fait chier. Ah, mais oui, mais bien sûr. Bien sûr, non, mais faut juste, en plus t'as le câble. Gérer, c'est tout. Sinon, que tu fais comme c'est feignasse et t'achètes un robot aspirateur. Alors, j'ai ça. Il s'appelle Marvin, mon robot aspirateur. Il est extrêmement dépressif. Et ceux qui ont la ref, un cookie, sinon c'est dommage pour vous. Et où est-ce que j'en étais? Marvin, c'est... Marvin. Et Marvin, du coup, en fait, Marvin, le truc c'est que dès que t'as des câbles, en fait, c'est mort. C'est Jésus, ça. Non mais la couronne de laurier et le pagne. Mais ça va faire. Bon, non, je t'ai embarqué dans un truc, il fallait pas. Mais... Ouais, on dirait bien, tiens, là, tu t'es fourvoyé. Il s'est fourvoyé. Qu'est-ce qui se passe là? Okay. Une épée. Bah c'est. Oh. Alors, c'est lire. Pourquoi est-ce que t'as fait un pagne
Et une couronne de... Ah putain, je viens de comprendre. Et une tentative de représenter le Zoro de One Piece. Ah, en plus, le Zoro de c'est les cheveux, cheveux verts. Ah ouais, avec les bandages sur le côté parce qu'il est blessé à partir de l'arc du... à partir de l'arc de la prison. Putain, c'est mais incroyable. Non, mais c'est surtout qu'il a trois, sabres. Oui. En plus, ah, les trois... Et il est pas blessé à partir de la prison. En fait, il s'est rendu compte qu'il savait pas dessiner des sabres, du coup, il a fait une vieille épée moche. Attention, c'est pas Zoro, c'est Zoro. Zoro. C'est vrai. C'est Zoro-less. Zoro qui se retrouve dans d'autres animés tellement il est nul en orientation, bien sûr. J'adore ce même. Zoro qui devrait être dans l'animation de Super Saiyan. In English. Dora exploratrice. Ah, mais c'est facile. Ah, c'est le babouin là. Ah non. C'est. Non. Non, il s'appelle Babouche, ouais. C'est un nounours. Rabbit. Ah bah super. C'est Pikachu. Un mot en anglais. C'est Pikachu. Il y a un mot qui s'en sort pas. C'est un mot en anglais, visiblement. Dans, il est dépressif. On n'a pas trouvé son nom, il est dépressif. C'est quoi ce truc? C'est un Ramboum. C'est... Ah! Quoi? Ah! C'est pas bon? Hein? Quoi? Ça n'a aucun sens! Je valide pas! Et ça marche même pas le jeu de mots! Mais si, ah, mais mousse! Mais. Quoi? Mais monsieur! Ce bon vieux marin! Oh, je vais vous dessiner William Shakespeare! 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 Parce que le SH ça fait rien en français. William, non, moi, je suis prêt à dessiner Vincent Van Gogh si tu veux, mais pas chez Shakespeare. What? Ah ouais, bah là en même temps, trop rapide quoi. Bon, il faut que je finisse vite du coup. Oh yes! Dommage. Ah si, d'accord. J'étais parti pour faire une perse incroyable avec une tête de lit Louis XIV et là vous m'avez niqué mon délire quoi. Bah ouais, mais la tête de lit était trop propre, t'aurais dû commencer ça. Je te jure. Bon alors attends, Louis XIV, ça je le fais vite fait du coup, hein, ça ressemble à peu près à ça, vite fait, il y a des trucs comme ça là. Ouais. Ouais, ça part, il y a une tête là, je crois qu'il y a une tête là. Putain, mais ah, je regarde d'un côté. Ah putain, c'est vrai. Moi je suis étudiant, je reçois des messages d'autres gens. Ah bah oui, bah voilà, mais en même temps, Curie. Fais un effort, t'es là ou t'es pas là quoi. Ouais, c'est clair. Si tu veux performer le high score, il faut que tu sois là, Curie quoi. Non mais c'est un message important sur un truc qui coûte 40% de la note. Ah ouais, ok. Juste la morale c'est que t'as pas osé répondre, t'es GG Scribble quoi. C'est ça. 6. Non, c'est des travaux de groupe quand même. Quoi? Quoi? 9, 10, 15, quoi? Non, on l'avait déjà eu, non? C'est facile, ça fait 25 plus 9. En fait, faut juste calculer la somme. Ouais. si, il a raison, on y est. Je suis désolé, ouais. Mais là, ça n'a aucun sens. Ouais, et après, ouais. Attends, pourquoi après, 9, 10, 15? En vrai, concentrez-vous sur la. C'est un morpion? Les chiffres. Ah oui, non, 10 et 15, ça marche pas. Il n'y a pas 10 et 15. 10 et 15, ça marche pas. Il y avait une croix au milieu, je sais pas pourquoi. J'avoue, la croix au milieu. Pourquoi? Il y a quelques problèmes. Mais non mais t'inquiète, la vache, tout va bien. Tout va bien, tu fais ce que tu veux en vrai. Le sudoku que j'ai fait au pif. Ah oui, on a vu, ouais. C'est parti pour être... Oups, tu veux pas qu'un ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas... C'est big, monsieur. Non, c'est pas ça. La fin du monde. C'est Titanic simplement... ça. Oh. Il est en train de nous faire une sirène là, c'est Ariel. J'ai pas trouvé de beige, démerdez-vous. Ah, il y a du rose, tout ce que. Quoi? Il n'a pas trouvé de beige, c'est ça qui est important. C'est un Lego. C'est un Pokémon. Bah, c'est Neptune, Pokémon. C'est Neptune, mais son nom japonais là, c'est ça? Quoi? Non. Bah, c'est Aquaman. Quoi? C'est Poséidon, son nom japonais. D'où ça vient, mais. Ah, okay. Non, japonais! Japonais. C'est Curie. Quoi?
Non, c'est pas Curie. Il te fout de notre gueule aussi, là. C'est quoi ce dessin? J'ai trouvé, mais ça m'énerve d'avoir trouvé, là. Un aspirateur? Ah oui! Oh putain! Quoi? Ah oui! C'est Pac-Man. Oh de Jésus! Ce rude, t'es un génie. Oh putain de merde, ce troll. Je suis mécontent d'avoir trouvé. Alors, on en avait parlé tout à l'heure. Hein. C'est Poséidon japonais, bah c'est ça, Luigi, hein. Je m'incline, c'était trop... C'était trop high level pour nous, là. Il y avait trop de IQ, là. J'ai eu trop de IQ, là. Dans le titre YouTube. 130 000 IQ dessin. Non, il pourra mettre Luigi ou gros. C'est la France, ça. Ça, je reconnais, c'est la France. Il va mettre un point sur la carte et je vais devoir trouver la ville. Ça va me casser les couilles. Ça va me casser les couilles. Ça va être un enfer. Ça va me péter les burnes. On va tenter des trucs avec beaucoup de lettres. Ça va me péter les burnes. Mais comment ça, la via, putain ? Curie, dépêche-toi, t'as 30 secondes. Mais comment vous avez déjà trouvé ? Putain, mais j'en peux plus. Oh, bon, désolé pour la Suisse. Mais c'est quoi ce pays ? Il existe quoi ? La Suisse, je vous ai un c'est un pays ville. Par contre, pourquoi dessiner la Suisse, s'il te plaît? Attends, parce que la Suisse, là, je l'ai un peu déglingué. Genre, c'est la Suisse, ça? J'ai un peu déglingué, là. Oh, il faut la carte, là. Ça, c'est la... Wow. Genre, j'ai fait les trucs bien, puis après, je me suis dit, ok, j'ai commencé à faire les imitations de l'Allemagne, puis j'ai fait la Suisse un peu... Mais déjà, la France, c'est pas super, non plus, si je puis me permettre. Ouais, mais la France, c'est reconnaissable, quoi. Disons que le Sud-Ouest, on sent la haine de la chocolatine, là. Rien que pour la forme du Sud-Ouest, on sent qu'il aime pas les chocolatines. Non mais déjà, j'aime pas le Sud-Ouest parce que vous êtes chiant. Déjà. Mais aussi, le Sud-Ouest, il est pas trop chiant parce qu'il y a des panneaux espagnols et du coup, c'est facile à reconnaître sur GeoGuessr. Ah, j'ai fait mal finir avec ça des conneries, moi. Ah, d'accord. Ça va être... Papa! Oh. Oh putain, y'a Chichi qui est là, Popo! Y'a Chichi? Non, Chichi c'est pas Popo, c'est. Non, mais Chichi il m'appelle Popo aussi! Chichi il m'appelle Ah oui, c'est Popo. Vrai! Mais oui! Popo! Non, moi je pensais à les petits. JFK 2 secondes, TSL, t'inquiète pas, y'a pas de soucis! Sauf si c'est à toi de dessiner, dans ce cas-là on t'en voudra, mais. Non, mais Curie et moi on a quand même eu un moment de connexion là! Oui, tous les demi! Je m'excuse d'avance. Quoi? C'est une main. 11 voilà. Lettres. Toutes les lettres, s'il vous plaît. 11, merci. Yes! C'est terrible. Vas-y. Tienne, tu descends un petit peu, quoi, quand même. Non, mais je pensais qu'il allait poursuivre la lettre. Et surtout, j'avais commencé à écrire avant que la flèche elle soit. Auriculeur. J'avais la flemme de. Aïe, aïe, aïe. Le fameux auriculaire. Le pouce, tu sais, pour indiquer au cas où on soit pas sûr. Au cas où, c'est de ce côté. Rassurez-vous, Flavoche et FK, tout va bien. T'as vu ça ? C'est une mangotte. Auriculaire ! Ok, magnifique pédiculture quand même. Alors. Jean-Marie, vous avez une rage incroyable. Je suis un homme en colère. Ah non. Vous ne trouvez pas que je m'améliore quand même ? Ah, Metroid Dentiste. Oh. En 8. Avec un E, ça rentre en 8 lettres. Hein. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu. Oh là, qu'est-ce qu'il a dans la main ? C'est une paille. Oh là. Magnifique. Ouais, mais. C'est bon parce que. Pistolate. Tu peux le faire. Ses origines américaines. Pas besoin de ça pour putain, mais j'ai pas regardé, mais. Tu peux le faire, Curie. Distrais-moi. D'où Jésus. Paf, paf, paf. Un pif, paf. Ah, le pipiou, ça rentrait, je pense, du coup. Le bébé avec un pistolet. Oui. Ah, mais oui, le bébé. The baby with a gun. Pardon, excusez-moi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir cette vidéo. Génial. Oula. Cherchez Baby with the Gun, vous marrez, vous remarquez. Merde, pourquoi j'ai fait ça? The Boy Boy. Oula, ça va être un truc genre le. Oula. Karma. La planète. Le Lul.
C'est en combien deuxième mot? C'est en 8. Ouais, 8. Comment je signe ça, putain? Bah dépêche-toi, hein. Tic-tac, tic-tac. Déjà, t'allumules, on dirait une bite, là. Bah si t'as mis ça, bah des trucs qui sont plus à des bites que ça dans le stream. Hein. Oui. On a eu une table de dentiste. C'est une multi-cuit, ça. Dis donc. Moi, je trouve que la limule, elle ressemble à un arbre. Quoi? C'est une pièce de Mahjong, c'est, de ça, je reconnais. C'est Internet, ça. Le Internet. C'est de le Internet. Quoi? C'est McDonald's. La société de consommation. Il est gros parce qu'il achète du McDo. Parce qu'il y a un P. Le capitalisme. La malbouffe. Le morphologie. Le RS est incrusté à la place du E, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Il est le Papa Noël. Oh, il descendra du ciel. Quoi? Ah, il est en surpoids. Bien joué. Auron qui gratte les points à la dernière seconde. Incroyable. Ah, c'est beau. Magnifique. Ouais, dans ma tête, c'est des sièges en surpoids. Ça ne va pas qu'il était trois fois trop court, mon limule là. Ça, c'est Harry Potter, je reconnais ça. Rue, la vache. C'est. Ouais. Ouais, je suis passé devant Yumu. Quel joueur. Ouais, il est en train de danser avec Edward Gaines. Non. Ah bah je suis pas le seul à avoir des gentilles choses du 47. Ah je suis... Moi je suis à 4 tailles du 47. Ah et puis alors, les chaussures elles ont les lacets de l'autre côté. C'est pas mal. Effectivement. Non, c'est parce que ouais, c'est des petits nœuds au bout. C'est des nœuds de papillon. Attends parce que Chou vient de me donner la lettre que j'ai la flemme d'aller chercher à chaque fois. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas nœud. Oui mais c'est quand même que je copie cette lettre. Quoi? Oh... Quoi? Il est pas beau, les squishes, mais bon. Mais. Oh, quand même, tu ris, tu as vu. Juste fais-le en fait. Ah! J'ai pas vu, moi, pour moi c'était des oiseaux. Il y a des oiseaux sur ces choses-là. J'ai fait des oiseaux en V. Nick! Ouais, pour ceux qui veulent savoir faire le E dans l'eau, c'est Alt 0156. Ouais, mais je fais jamais en souvenir donc. Alt 0154 c'est pour le E accent aigu. Je me souviens déjà pas de ce que j'ai mangé hier soir. Alors... Souviens-t'en, Alt 0156. Ouais, et si tu veux fameux... faire un haut barré, c'est Alt 0248. Par contre, à Yumu, ton Harry, il a une sacrée tronche. Hein. Il est vénère. Hein. Okay. Et sachez que ce que je viens d'écrire, j'ai mis genre. Allez, bien 15 ans avant de comprendre que c'était E dans l'eau la lettre. Mais non. Si pendant longtemps j'ai cru que c'était E dans l'eau, l'eau. Ah, pas mal. Bon, ouais, déjà tienne. Mais c'est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Hein? Oh, mais quand même. C'est un T? Ah oui, effectivement. Mais il a pas de règles, sérieusement, les gens. T'as pas de règles. T'as pas de règles. Pas de règles. Y'a Booba et Karis là-dedans, là. Ah. Ah non, octogone, les gars, oh, quoi. Un octogone, j'ai même dessiné un octogone au sol. En voyant le tout, il est un peu éclaté ton octogone. Oui, bah il est éclaté en octogone, mais c'est la perspective. Et il a 9 côtés ton octogone. Quoi? Non. Allez. Non, stop. Attendez, on va relancer une game. On va relancer une game. Je fais directement. Stop. Directement quoi? Windows Shift S. Stop, vous foutez pas ma gueule là. Attends. Il est à 9, je confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh putain, 9, merde! Oh, je pisse. Ah bah voilà. C'est pour ça. Le dessin c'est pour était ça, pas mal. Personne a trouvé. Personne a trouvé. Cancel cette manche, moi, je pense. Je pense qu'il faut l'annuler. J'ai pas été premier, je pense qu'il faut gagné, l'annuler. Donc... Ouais, on annule. On annule tout. Et parce qu'on a qu'à faire, on dit que j'ai gagné. Et puis, voilà, on est d'accord. Bien sûr. Papa, c'est une salière, ça je connais. Ça c'est. Fais gaffe quand tu dis des trucs comme ça, parce que un jour, si tu vas réussir, on aura tous la réponse du coup. Non, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Pichet. Quoi? Ça m'est arrivé une fois, genre il y avait une piñata qui était en train d'être dessinée, c'était celle de Fortnite, et j'ai dit ah mais c'est une piñata.
et j'avais pas tapé le mot. Et là, je vois tout le monde qui tape le mot et je fais quoi? Je comprenais pas. Ah oui. Quoi? Eh bien, je ne l'ai pas. Voilà. Pourtant, c'est bien dessiné. Hein. Oui, c'est bien dessiné. Bah oui, non, mais on voit ce que c'est, mais c'est une carafe. Non, c'est un. Ah bah oui. Carafa. Oui, ah non, j'ai écrit carafe, putain. Allez, j'ai écrit carafa perso, hein, j'ai failli me faire passer devant. Carafa. Ah, la carte, j'avoue. Ah, carafa. Yes, c'est de la carte, c'est de la carte. Ta. Merde. Ra. Sel. O. Du Raphaël. Curry. O. Oh là là. Putain. Mais bordel. Quoi? Quoi? Ah, mais encore! Mais vous abusez là! Vous il abusez complet! Ah, il était pas là? Il était pour là! Bah, pour le coup, il est plus que désert là, hein. Il y a rien dessus! Il a pas eu le temps! Il a pas le temps! J'aime bien, j'ai deux mots qui vont ensemble! J'avais but et cage, mais j'ai pas pris ça! But avec deux TE, c'est pas la même chose! 8! Merde, non! Du noir! Ah, c'était pas ça? Faut aller jusqu'au bout, Ayumu. Ouais, j'ai la fin. C'est pas une cuvette de toilette. Ah. Une pierre tombale. Oh! Hein? Mince, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Je reconnais pas. Oh, il est beau. Il est très beau. Aïe. Il a commencé par un smiley, mais... Je pense qu'il y avait des tirés au rond, il serait dans le mot directement, tu les verrais. C'est une cuvette de toilette. C'est des tirés, on les voit. C'est un rabat de cuvette de toilette. C'est des toilettes sèches, je reconnais ça. Mais oui, c'est des toilettes sèches. Non, c'est pas ça. Oh, la perspective, mon dieu. Oh non, Jésus. Dans le meilleur des cas, c'est une table à repasser, personne n'a compris. Je disais maman. Là, le troisième pied. C'est quoi la droite là? C'est une main ou c'est un. Oh wow. Oh 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 oui. Yes. Oui. Oui. Il est magnifique. Merde. Il est sublime. Il est sublime. Il est magnifique. Il est terrible. En plus, j'ai écrit carafus. Il est magnifique. Allez. Et pourquoi vous l'avez fait comme. Oula! Il y avait l'idée, pourquoi vous l'avez était fait fou. Comme ça pour. Incroyable! Il avait une planche à repasser. Je sais pas, mais je cherche pas. Zorut! Pourquoi il avait quoi? C'est Curie, faut pas poser la question. Mais de quoi non, il mais avait c'est les Pokémon surtout! À partir du moment où tu fais un dessin de Pokémon, t'es obligé de mal le dessiner, c'est la règle! Mais c'est. Ouais, non, mais moi, on connaît ça, c'est la vie après la mort! Ouais. Non, là c'est deux seuls. J'ai vraiment tapé à ça. Oh! Ok, j'ai la vie après la mort. Et non, ce n'est pas la vie après la mort. Pardon? Quoi? C'est une lampe de génie? Ils sont trop forts aussi! La lampe! La lampe! De oui, le génie. Là... Ah oui. Alors normalement j'ai fait un facepalm suffisant fort pour que vous. Attends, du coup Soud, c'était quoi ton question sur mon maître théiériste? Passé sur le corps. Maître théiériste, c'est trop bien. Bah, il avait quoi sur le corps? Je vois, c'est trop bien. Planche à repasser, une table à repasser. Mais il est pas une tasse à passer, c'est juste c'est les lignes de son truc, son torse il est bombé. Ouais, non, il est chelou, par contre moi je l'ai pas là, je vois le. Mais il est pas aussi. Oh putain. Mais la réponse c'était simple, la réponse c'était. Moi j'avais la lampe, mais du coup c'était la lampe de l'Eugénie. Will Smith. Non. Will Smith. Oui, mais c'est Pocket qui a dit la lampe de l'Eugénie. La lampe de l'Eugénie. Scandalé. Quoi? Je reconnais ça, c'est une fusée ça. Ah bon? Ouais, c'est exactement ça, c'est pas une maison. C'est pas un canon fusée. D'accord. C'est pas une batterie anti-aérienne. Oh oui. Ah. Oui. Par contre, la cheminée en fait. C'est pas faire des fenêtres particulières, voyons. C'est trop rapide, je suis quatrième, ça va pas du tout. D'accord. Eh ben. Allez. Tous, troisième. Alors. C'est le premier tour. 7. Waouh. Alors. Patato. Alors. On a tous à l'heure. Je te jure. Oh, quoi? Oh, si. Rapide, ça dégoûte. Oh, si, j'ai rien eu le temps de faire. Si. Bah, tu peux t'arrêter là. Oh ouais. Ah bah oui. Ensuite, je sais plus de quelle couleur elle est. Pas mal. La suivante, on va dire ça. Oui. Tant pis. Voilà, hein. C'est quoi cette chanson là? Je connais pas ça.
Alors, Pokémon Sun et Moon, c'est beau, t'es en train d'en dessiner plusieurs et il n'y a pas de S. Ouais. Ouais, certes. Ah, fais une flèche, fais une flèche. Ouais. Non, mais ils sont alignés, c'est stylé, hein. Ouais, mais là, le problème, c'est que t'as mis la troisième planète à partir du Soleil, donc les gens auraient pu aussi deviner Mercure. C'est vrai. Alors, la troisième, c'est la Terre. C'est vrai, c'est la Terre. C'est bien ce qui me semblait. Et t'es vraiment mauvais, Bouquet. Oui. Alors qu'en plus, il y a des moyens mnémotechniques, mais le truc, Fury, c'est que toi, l'école primaire, c'est récent, moi pas. C'est ça le truc. On l'apprend pas à l'école primaire, les mnémotechniques. Enfin, moi, j'ai appris par moi-même. Hein. Moi, j'ai appris ça. Moi, j'ai appris c'était celui-là. Quoi, moi, c'était la phrase mnémotechnique de la couleur des LED. Bien vu, Yumu. Ah, et puis dans ça, il faut plus dessiner. J'ai oublié. Il faut dessiner. C'est un yo-yo, ça. Moi, c'était ça mon moyen mnémotechnique pour les planètes. Merci beaucoup. Mon dieu, tu m'as jeté sur les planètes. Moi, c'était. Moi, je me souviens de. Arrêter où je vous bats violemment. Non, je sais plus ce que c'est. Arrêter de vous bats violemment, ça me oui, même pas. Oui, c'était les LED. Les couleurs de LED. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est magnifique. Ça? Oh, bien joué. Hein? Ah, c'est un maître glacier, ça. Ah, mais non, mais moi, j'aurais fait une blague là-dessus. Tu. Pas drôle, tiens. Sia. J'avoue, il aurait pu dessiner Clifford. Ouais, mais moi, j'ai pas cette rêve, donc. C'est quoi, non, moi je vais dessiner directement l'animal. Moi je vais directement dessiner l'animal qui crève de faux. Les oignons frits. Les oignons frits. Ah ouais. Les oignons frits, t'as cru que c'était le hot dog, mais genre vénère quoi. Bah, la base dans le hot dog. C'est le hot dog américain, t'as pain, saucisse, ketchup, moutarde. Pain, mayo, pain. Par contre. C'est pas Marie Blanchard. Attends, fallait mettre un P à la fin de la phrase. Bah, de la mayo dans un hot dog. C'est de la moutarde jaune, si tu mets un truc jaune. Oh, c'est de la. Ouais, si. Ouais, c'est de la moutarde. C'est moutarde. De la moutarde. La moutarde américaine, quoi. C'est la moutarde. US, c'est de la moutarde jaune. Oui, c'est pas de la moutarde de Dijon. Déjà, tiens, excuse-moi de te couper dans ton élan, mais aux États-Unis, y a pas Dijon, donc ils ont pas de moutarde de Dijon, point. J'ai dit moutarde jaune. Ils ont pas Dijon, il y a pas Dijon. Comment est-ce que tu veux qu'il y ait de la moutarde de Dijon aux États-Unis alors que Dijon c'est en France? Attends, déjà tu dis il y a pas Dijon aux États-Unis. Je te rappelle qu'il y a un Paris aux États-Unis. Y a pas Dijon aux États-Unis. Au Texas. Je suis sûr qu'il y a forcément une ville qui s'appelle Dijon aux États-Unis. Mais non, ON c'est un truc qu'ils prononcent pas. Ils peuvent pas écrire Dijon. Ils savent pas, ça leur fait une rupture d'anévrisme. Après ils sont obligés d'écrire des miles par. Dijon mustard. Je te jure, c'est vraiment mustard. La moutarde de Dijon. Dijon mustard. Incroyable. Ouais, je te jure. Dijon. Alors, sache que on peut trouver de la moutarde de Dijon aux États-Unis puisque c'est un nom de famille là-bas. On est en train d'ignorer le dessin d'Ayumu. C'est beau ça. Il suffirait que. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je ne l'ai pas. Bien vu, Ayumu. Bien vu. Vas-y. Ah, mais si, je l'ai. En fait. J'ai chaud, putain, c'est fou! Fais un octogone à neuf côtés, vas-y. C'est la ménopause qui arrive là. Ça va aider plein de gens. Par contre, regardez bien ma troisième place parce que ça va pas durer. Oh putain, football américain. Ça va pas durer dans quel sens? Football américain. Bah, parce que je vais forcément descendre. Ah d'accord. Ah, regarde, tout à l'heure, j'ai un troisième, j'ai déjeuné et j'ai perdu trois places. Pour l'instant, je dirais c'est. Je pense qu'il est un peu malade là, mais il faut pas s'en préoccuper. Non, mais bah, finalement, je reste troisième. Oh, jeune. Oh, trop fort. Je sais pas, en vrai, tu peux. Comment on dessine un violeur après? Ah merde, j'ai le temps. Quoi? Bah, tu m'as déjà dessiné un. Hein. Oui. C'est quoi, c'est une ref Orelsan ça ou... Non, c'est juste que les dauphins, c'est vraiment. Les dauphins, ils baissent socialement et du coup, sans le consentement du coup. En gros, les dauphins, c'est une espèce sociale et en gros, du coup, bah, la notion de viol existe chez les dauphins quoi. Comme les macaquines ou quoi finalement. Et pareil, la notion de drogue existe chez les dauphins, ils kiffent les. Oh, sérieux, c'est ultra chiant à écrire. Oui, les poissons globes. Ils tapent dans les poissons globes pour être défoncés.
Arthur, c'est ça, en fait, ils poquent leur nez sur les leurs boules, là, sur les poissons, sur les fougous. Ah, et en fait, les fougous relâchent des neurotoxines. Ah. Et en fait, les humains, si un humain mange un fougou qui est mal préparé, il meurt. Et le dauphin, lui, ça le shoot, en fait. Et en fait, ils passent leur temps à se foutre le nez dans des fougous pour que les fougous relâchent des neurotoxines et ça les shoot. Oh là. Et ils se droguent. Voilà. Donc techniquement, il y a un univers parallèle. Il y a un univers parallèle où les dauphins ont inventé la coque et les putes. D'accord. Sachez-le. Et il y a un univers parallèle où ils ont fait ça main dans la main avec les humains. Et encore. Ouah. Le retour. Ah, il est mieux là. Pas de soucis, bonne nuit à toi, Favoche. The Combat. Ah oui. Il était très bien mon Discord. C'est très bien, monsieur. Je l'ai un peu raté quand même. Il était un peu très carré. Il était un peu cliqueur. C'est pas grave. Non mais celui-là il est trop. Il a pas autant de gâchettes maintenant. Ah ça, mais c'est l'ancien. Ouais. Voyez, ouais. Je suis quatrième. On s'en bat les couilles, c'est une tronche de manette. Et puis il a changé de Blurple aussi. C'est vrai qu'il a changé de Blurple. Et ça c'est bien cru. C'est Judas. Tom est mécontent. Oula. Il est mécontent. C'est pas. Il a mal au genou là. Il est très flexible. Ça. C'est un étirement ça. French quand commence pas ça. Oula, il saigne du bleu. C'est un émule. C'est un roi. Quoi? C'est un baisement, mais au pied. Y a un truc qui se passe. Un fétichiste des pieds. Pourquoi y a un homme pelle qui creuse? Qu'est-ce que c'est? Bien joué. Mais arrêtez. Ah ah. Par contre, je crois que si tu marches dessus, t'es quand même vraiment con. Hein. Ah. Faut vraiment aller le chercher pour marcher dessus, je crois. Hein. Non, mais je crois qu'il faut. Ah non, oui, non, mais je t'as pas besoin. Ah ouais? Non mais tu sais quand on le voit pas le fond de l'eau. C'est ça. Ouais. Quand tu marches sur les rochers. Mais le truc c'est qu'ils sont trop loin du rivage normalement les oursins, non? Ah mais ça tombe, il s'est fait piéger par son ennemi fatal. D'ailleurs avec l'avion. Qui a décidé de mettre ça pile devant sa porte quand il se le matin. Thanks for all the fougou, c'est vrai. Non mais Pocket, c'est pas loin du rivage du tout. C'est pas loin du tout. Dans les rochers, il y en a direct. Ok. Les oursins n'ont pas de mort naturelle. Ça je reconnais, ça c'est Pikachu. Effectivement, ça devrait être t'inquiète, c'est pas grave. Mais tiennent par contre, c'est facile en fait. Par contre, faut que tu te dépêches, t'as 30 secondes. Mais c'est facile, vous êtes juste voleur. Ah non, il est trop précis son dessin. C'est un N, quoi? Clifford, bien sûr. Et en face, genre, mais c'est. Voyons. C'était facile. C'était facile. les gens qui ont pas trouvé, vraiment vous êtes nuls hein. Vous êtes pas futés comme des renards hein. Je dessine à la souris aussi, c'est difficile. Par contre, les renards ils sont. Il faut que je revoie HDG2. Ah, mais là c'est un renard vicieux, lui il est vicieux. Putain, il faut que je revoie HDG2, Gerdère. Oh là là. Le film est beau pour son Pocket, vaut mieux les relire. Mais si. Mais je les ai là. Ah non, j'ai prêté les deux premiers à mon père. Mais en ce moment, de toute façon, je lui dirai Pratchett, j'ai pas le temps. J'ai l'impression que ça fait 20 mois que tu lui prêtes. Sérieux là? C'était 12. Oh putain! Ah, quelqu'un qui a piqué moi. Ah bon, trop fort. Non! Comment ça s'écrit, putain? William, c'est pas lui qui a fait c'est pas lui qui fait des cassoulets à Curie. Hein. William. C'est pas du tout William. Chaque spire. Chaque spire. Magnifique. Alors. Oh, c'est Yu-Gi-Oh, ça je reconnais. 4-4. Oula. Mais 4-4. Quand Curie met ses lentilles, il voit que dalle. Hein. C'est-à-dire. Maintenant. Métro. Maintenant. Maintenant. Parce que en fait, un Curie de lentilles, ça s'appelle un dalle. Ah, wow. Ah, les techniques, celle-ci. Hyper technique. Oula. C'est un chien saucisse, c'est un chihuahua. C'est un chien-chien. Mais non, c'est un chacha. Ok. D'ailleurs, j'ai appris que le canis canis ça existe pas, hein. C'est du bullshit. C'est une tortue. Oh. C'est Sonic. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est, Auron? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah! Oui.
Vous avez oublié l'existence. Ah ouais. Ah oui, oui, ok. Par contre, la tête, je vois, oui, ah, que j'ai sur le cinéma. Bien sûr. C'est... Ah oui, puis en plus, faut mettre le truc là. Hop. Bah, c'est la tête, ça. Il sourit. Il est pas de l'autre côté. Il est un peu attardé, mais il est gentil. Oui, c'est vrai qu'il a une bouche au niveau de la queue. Il a une bouche au niveau de la queue. C'est un peu une créature de sport, quoi. C'est... Il a de la chance qu'on reconnaisse, quoi. Ça me fait penser que, en vrai, Sonic, c'est plus un porc épic que vraiment Hérisson, hein, parce qu'il a des poils longs. Non oui, mais Sonic, il s'est fait. Hérisson, ça a les poils longs aussi, non? Ouais, c'est pas... Oui, de toute façon, Sonic, tout le monde s'en fout aujourd'hui, c'est une licence propre. C'est vrai. C'est le héros de ton enfance. Mais il est mort. Oh, c'est de la beuh, ça, c'est un gros pétard. Ah, disons que depuis qu'il a embrassé une humaine et qu'il y a eu de l'interespèce. Je porte un peu moins bien de le retourner en France. Oh là là, oh, Sorut turn bad. Oh. Quoi? Quoi? J'ai trouvé... Mais il est défoncé, hein, là. Peut-être que je fais ça, moi. Je vais faire ça. Désolé, les gens. Plus que 19 secondes, hein, c'était compliqué. Ouais. Ah mais c'est ça, je suis con. Oh. Oui. C'est pas Audi, hein. C'est pas Audi. C'est pas Merkel, merci les Benz. Oh, je l'ai eu. Ah. Oh, le hippie, putain. Quoi. Le hippie avec ses lunettes, ses trucs à fleurs. Kakashi. Mais comment ça, Kakashi? Bah, il a fait une veste avec des nuages, fleurs, trucs, je sais pas. Ah ouais, c'était vrai, putain, mais t'es ton animé de... Il fume pas de cigarette, il fume pas de cigarette. Bah ouais, c'est pas... C'est comment il s'appelle, c'est quoi, il s'appelle le prof qui fume des cigarettes, là? Azuma? Ouais, parce qu'il est mort. Ouais. Voilà, j'ai spoilé... T'as spoilé Naruto Shippuden. Ouais. T'as spoilé... Il a spoilé tout l'animé sur le père de Boruto, quoi. Bah ouais. Même si t'as encore la suite du spin-off, du coup. Ah, il a deux baguettes, ça y est. Harry, il a deux baguettes. Ah, il a de la Kimbo. C'est une brosse à dents, ça. D'ailleurs, truc qui est drôle, c'est que les gosses là de 10. Pourquoi est-ce que vous trouvez tout? C'est moi, je trouve pas, ça m'énerve. Moi, ça m'étonne pas qu'ils soient en fond de Naruto. Parce non, mais ce que c'est qu'ils le sont beaucoup, ils le sont beaucoup plus que dans Dragon Ball, Bleach, One Piece. Bah ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui passe à la télé. Les petits de 10 ans, 12 ans, ils sont à fond dans Naruto bien plus que dans One Piece ou dans bien d'autres animés. Bah oui, bah pourquoi pas. Parce que tout le monde rêve d'être un ninja. Tu sais, en fait, le problème de DBZ, c'est que maintenant il passe super. Bah, et puis le problème de DBZ, c'est qu'il a mis 7 épisodes à détruire un méchant et il a parlé pendant 5. Oui, comme de DBZ, c'est qu'il devait faire des économies sur l'animation. En termes de couleurs, c'est pas tout à fait bon, mais on est là-dessus. Et on est les plutôt sur un propres. Truc qui ressemble à ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai. Ah, ça peut-être alors. Ok. Plutôt ça. C'est Sorut qui parle à son PC. Oui, mais c'est pour m'inspirer, tu vois. Ça marchait si on faisait ML en dos là, par exemple. Moi quand j'étais jeune, j'étais à fond dans Cardcaptor Sakura. Ben moi par exemple, Cardcaptor Sakura, ça passait sur M6 et ça passait au moment où je pouvais plus regarder la télé. J'avais le droit à F3X le choc des héros le dimanche, mais c'était tout quoi. Et genre à chaque fois à la fin, il y avait Teen Titans, mais c'était trop tard, tu vois. Je pouvais pas regarder Teen Titans. Ouais. Mais arrêtez, comment? Ah, c'est moi qui l'ai? Incroyable. Quoi? Avec un R? Pas moi, quand j'étais jeune, je regardais One Piece. Et South Park. Sad, mais oui, Sad. C'est un contrat, ça. Me troll, je sais même pas ce que c'est, en fait. J'ai tapé plein de temps. Quoi? Ah, il est là. Papier! Comment t'as fait pour trouver papier aussi vite, alors que c'était du grand? En vrai, j'ai mis papier quand j'avais juste le carré, donc j'ai eu trop de la chance, en fait. Alors, j'ai fait un carré marron et il a trouvé papier. Putain, voilà, c'est ça. Ça logique. Coupe. En fait, ça me casse, ça me met un coup derrière la nuque. En fait, toi, tu fais des papiers avec le tronc des arbres. Non, mais je vais lui dessiner une fusée. Ça, c'est la pyramide de Maslow, ça. Et il va trouver Hugh Jackman, tu vois. Oui. C'est la pyramide de Maslow, ça. Mais les trucs les plus simples, je les trouve pas, genre. Égypte. Civilisation extraterrestre. Ça rentrait, j'étais déçu.
De Maslow. M-A-S-S-L-O-W. Non mais la curie, pyramide faut sociale, arrêter la communication. Hein. Ça te réussit pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi son sourire est de plus en plus bas? Moi ça va en fait. Ah oui, j'ai... Quoi? Aucun j'ai pitié de dès le mois, c'est quoi cette chose? Curie, faut tenter de faire des cours. Faut savoir comment. Curie ne va plus en cours, arrête. En plus, on a vu en cours aussi à la pire. Ce truc, oui. Non, c'est bon, je l'ai. Il peut se foutre sur deux. Il est. Oui, Jojo. Curie, tu finis tes études dans combien de temps? Pendant combien d'années on va se supporter ça? J'ai plus envie de faire 5 ans. Oh là, pendant 5 ans on va supporter des trucs comme ça? Ah putain, oh là là. T'inquiète pas, hein, dans 5 ans. Non, mais Curie faisait ça à 12 ans. Je sais que tu es pas non plus là depuis hyper longtemps, mais. Enfin, si, en plus, quand même. Ça doit faire quoi, 2 ans? Curie, il fait partie des meubles. Hein. Curie faisait ça à l'âge de 10 ans. Oui, déjà, à 10 ans, j'avais la même voix. Au jardin d'enfants. À 10 ans, il avait la même voix, il avait la même tête. Curie, il faisait toujours 1m92. C'est Dark Vador, je reconnais. C'est One Piece. Allez vite. Yo. J'aurais dû critiquer bien. Bah, la différence entre aujourd'hui et maintenant, c'est que maintenant, je sais faire de la binaire et de l'hexadécimal. Mais tu sais toujours pas faire de la perspective. Ouais. Alors par contre, j'adore ça peut être vrai à 10 ans. Les sujets qui fâchent. Il m'a ignoré. Non, pire, Gerder. Curie a 10 ans, il nous donne des cours de géopolitique. C'est pas pareil. C'est pas la géographie. Un peu à ça. Peut-être. Non, je sais pourquoi tu l'as choisi comme modo à 10 ans. Mais bien sûr. C'est pas les toilettes. Non, c'est pas ça. C'est en fait des. Ouais, ne dis pas ce que c'est. C'est un masque. C'est. Moi, je reconnais ce papier, ça. C'est bon, je l'ai eu. Tout va bien. Moi, j'aurais dessiné de la partie. Mais oui, t'aurais dû dessiner la partie. Mal. On dirait une belle. Oh putain, j'ai mon genou. Putain, mais je me sens vieux là ce soir, c'est terrible. Si t'appelles, c'est le côté plat qui creuse. Je crois qu'elle a un problème. Je crois qu'il faut que tu changes. C'est peut-être parce que c'est pas une pelle. Oh, propos de chiottes, putain. WarioWare. Les petites belles, genre pour les litières de chiottes. Les chiottes dans WarioWare. Ah, t'as. Non, mais non, Ah, mais t'étais pas là, Sorut, vendredi. La moitié du lore de ce nouveau WarioWare, c'est les chiottes. Il y a pas mal de chiottes. On continue le musée des horreurs. Non, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Notamment la fameuse Epic Quest pour les chiottes, quoi. Vous avez déjà essayé de mettre ce genre de ventouse dans vos chiottes? Oui. Mais non, mais c'est pas fait pour déboucher les chiottes, c'est fait pour débousser le reste des canalisations. Ah. Mais les chiottes, ça marche pas bien. Ça dépend la taille de ton truc d'entrée, mais oui, moi j'ai déjà réussi avec ça. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut inverser le sens de ta ventouse. Est-ce qu'elle existe encore quelque part, cette photo où j'avais ma la fameuse emote de merde là? Non. Ah oh, putain, je pas. Pas un lama. Mais oui, tu vois celle où j'ai la casquette de Mario là. C'est pas un lama. Ah ouais, le coup. Mais oui, c'est celle-là, c'est le Impressive Cosplay, exactement. Le musée des horreurs, je dis. Hein. Et je crois qu'il y a une photo. Je crois qu'il y a une photo terrible. Moi je pensais que tu parlais de celle-là. Où en fait je venais de déboucher. Non. Je venais de déboucher ma baignoire. Et je crois que la photo montre encore le contenu dégueulasse de ce qui était remonté. C'était terrible. Je sais même pas comment est-ce que la baignoire de cet appart avait été bouchée à ce point. Enfin bref. Ça sauve les ventouses des fois. Hein. Pas déconner. Hein. Comment t'avais réussi à boucher le truc de ton appart? Mais c'est pas moi! C'était toutes les générations de locataires précédentes qui avaient bouché le truc. Ah mais il y en a aucun qui a pensé à utiliser un déboucheur de canalisation. Jamais! Et en fait, moi, je suis arrivé un jour et paf, c'était bouché. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah. Avec quelle couleur? Attendez. Non. Oh, elle est en orange. Moi, je sais pas. Moi, un je sais Bermuda. Que tous les... Moi, je sais que tous les 6 mois, ma mère. Ouais, c'est vrai que ça cache. Ouais, bah non, bah ça dépend. En fait, le truc, c'est qu'après, le faire trop souvent, si tu le fais avec des produits qui sont agressifs, si tu le fais avec du vinaigre, ça va. Mais si tu le. Non, mais là, Aldruin, je dis c'est dégueu, mais c'est dégueu. J'ai eu des remontées d'égout dans ma baignoire, en fait.
plutôt dans des trucs. Enfin, c'était. Chou, il a débouché sa bête noire et il y a un. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y avait des. C'est ça, en fait, il y avait des siècles. Il y avait des siècles. Mais cette photo doit encore exister quelque part sur le Discord, peut-être. Ou sur mon Twitter, il faudrait que je vois. De sa baignoire. Mais c'était. Oh putain. Let's go. Et c'était, mais je te jure, c'est vraiment, ça a rempli le fond de ma baignoire. Ça a remonté des trucs, ça a rempli le fond de ma baignoire de trucs noirs et marrons. Je ne déconne pas, c'était horrible. Cette baignoire, je sais pas ce qui s'était passé dedans, mais c'était affreux. Je me suis barré de cet appart depuis, mais quel enfer. En partant, oui, bah, je leur ai dit, c'est bon, j'ai fait les travaux de débouche, et là, ils découvrent une nouvelle espèce. Mais oui. Curie, on le fait à tous les streams Amazon, hein, comme ça. Mais non mais c'est parce que non mais là j'étais en train d'essayer de chercher sur le Discord de quoi pour qu'elle parlait. Ah il va lancer sur le dossier. De toute façon je suis dernier par rapport. J'ai pas trouvé. J'ai tapé boucher, débouché, machin. Alors je vais t'apprendre un petit truc. Tu peux faire une recherche pour les messages qui contiennent quelque chose, genre une image. Ouais genre mais là, le truc c'est que. Ouais mais genre recherche contient. Attends. Ouais mais si tu mets que contient une image, le truc c'est que tu vas pas trouver quand même. Parce attends, que si tu contiens, une image déjà, tu image as de Pokéchou. Vous êtes en train de chercher ou il y a que Curie qui cherche? Non, c'est personne. Si, c'est image bon. De Pokéchou. J'étais vexé ancien. Parce que personne trouvait mon. Mais sinon, c'est sur mon Twitter. Hein. Ok, le premier, Chou. Le truc avec la meuf dans la baignoire là. Ouais, ouais. Quoi? Ceci dit. Quoi? Ceci dit. Quoi? Qu'est-ce que vous avez cherché là? Oh putain, mais le premier, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez cherché là? Attendez, à la fin de la partie, on se prend un moment pour faire le débrief de ce que vous êtes en train de trouver là. Ah non, faut pas que t'ailles regarder, je pense que c'est Van Twitch. Hein. Oui, vous voyez que c'est Van Twitch. Quoi? Il y a aussi Widow de Overwatch qui monte son boule. Ah ouais? What? Mais qu'est-ce que c'est que cette image? Mais pourquoi j'ai posté ça? En 2016, c'était. Mais pourquoi est-ce que j'ai posté ça? What the fuck? Oh, il est psychomore, excellent. Mais pourquoi est-ce que j'ai posté ça? C'est sur le GH, je suis poule, puis. Pourquoi? Ah non, parce que du coup, j'ai fait découvrir une poule, c'est Nelly qui a. Bah, du coup, c'est supprimé, je modère mon. Mais je flippe pas, c'est genre, c'est l'histoire. Mais je modère mon Discord, mais d'où est-ce que ça vient ça? Je sais pas, tu devais être en vocal avec quelqu'un et. What the fuck? Y a moyen. Bah, là, le truc, c'est qu'il y a des gens, genre, y a Zanx. Sycomore, c'est des anciens alors. Mais vraiment, t'es vieux. Y'a des gens qui sont même plus ici et tout. Mais c'est la même époque que la vidéo que j'ai envoyée hier. Oui, avec bien le sûr. Battle 1. Bien sûr. Mais vraiment, y a le lien juste dessus. Le 4 juillet 2016. Oui. Mais là, je sens que Curie va aller sur tous les Discords sur lesquels oh il est depuis longtemps. Oh mon dieu, mais quelle horreur. T'as déterré une horreur, mon gars. T'as déterré un truc, mais c'est horrible. Il y avait Nash, il est mort Nash aussi. Quel enfer. Oh, putain, mais c'est pas sain de faire ça. Bon alors attendez les vieux, on va mettre des pseudos de gens. Et tu revois des pseudos de gens, c'est terrible. Alors attends, qu'est-ce qui nous remonte là du coup? Allez, arrêtez. Seigneur. Attendez, la fouille du Discord là, revenu en message plus récent là. Ça aussi c'est beau. Qui sont oh putain! Ah, mais oui! La fameuse. Ouais, ça c'est un bad Twitch. Non, je rigole. La fameuse dédicace de Zugi. Ah, mais sinon, il y a des photos de toi avec des cheveux. Oui, bah oui. Ça oui. Oui. Sur YouTube pour voir ça. Et comment vous faites pour trouver ces trucs-là en fait? Qu'est-ce que c'est votre recherche en fait? Vous faites une recherche. Va dans la barre de recherche. Tiens, image ouais. De Pokéchou. Tiens, deux points, image. Et le pseudo de la personne que tu veux chercher. Et ça va te sortir toutes les images que la personne a postées. Putain, à l'époque, on n'avait pas de chan et on mettait tout sur le même. Deux points. Mais oui, Pokéchou. Et on a trié par du plus ancien au plus récent. Et... Bah, déjà, moi, 2 et Pokéchou, ça marche pas. Hein. Ah, moi, c'est utilisateur. Moi, c'est passé, hein. Ah, il faut faire at Pokéchou, c'est ça? Ouais, non, moi, j'ai pas mis de at, mais. Bah, ça trouve pas. Je vais pas chercher pour toi-même. Peut-être après un espace après le 2. Ouais, mais un espace après les 2 points. 2 points, espace, Pokéchou. Ah, mais ça m'étonne, y'a aucun message de moi. La prog. Ah, est-ce qu'on peut spécifier sur un. Oui, tu peux spécifier sur pourquoi un channel avec. Je suis sur la prog là. Tu peux spécifier sur un channel avec la commande DANS, 2 points, espace. Et le dans nom du salon. 2 points, espace. Le chan de l'amour. -chan-2-l'amour. Après, il te complète tout seul, t'as plus qu'à cliquer normalement. Bah non. Ah bon?
Un soir que t'étais bourré, c'était le bon vieux temps. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Moi, je vais regarder sur Twitter. On va voir des choses gênantes aussi sur mon Twitter, ça va être incroyable. On va trouver des trucs de cul. On va trouver des trucs de cul sur mon Twitter, alors attendez. Média. En fait, j'aimerais avoir la liste. Ah, voilà. Ah, mais je peux avoir que les 6 derniers. Bon, alors attendez, il faut remonter loin. C'était il y a 4 ans, 3-4 ans. On est parti pour remonter hyper longtemps là, si on remonte pendant 3-4 ans là. On est parti pour remonter hyper longtemps là, 2020. Je veux dire, j'ai cet appart de son bruminateur au champ. Putain, le Ring Fit Adventure, vous vous souvenez du streamer Essek? Ouais. C'est énorme quoi. Scroll. Ah, si seulement il y avait des filtres. Jury, il a posté Samus en bikini. Je sais pas si c'était ça quand. précisément le 22/04/2019. Ouais, ça va, c'était il y a pas trop longtemps. Oh, les vieux formats de la prog, mon dieu! Oh putain, Curie, tu dégoûtes avec ton speed test à la fibre là. Alors, ah oui, c'est vrai, je l'ai marqué, j'ai envoyé. Attendez, Impressive là. Cosplay, voilà, donc là j'ai rajouté une emote Impressive Cosplay. Oh, il y a le schéma de Curie là. Sur pourquoi TPCI c'est les méchants. Qu'est-ce que ça? Ah oui, Miloumat, qui m'avait offert Just Dance. Donc 2018, j'étais dans l'appart où j'ai joué Just Dance. Ma Game Boy Color, Just Dance. Oh putain, avec Brigitte. Ça, c'est mes petits frères et moi. Putain, incroyable. Ça, c'était quand on jouait Overwatch. Ça remonte. Hein. Xenoblade. Donc on doit être dans le coin. Ah hein. Mais non, mais ok, c'est ça. On doit être dans le coin parce j'ai que Xenoblade, c'était l'époque. Quand même. Hein. Avec une fonctionnalité de Discord que personne ne soupçonnait. Là ah non, mais je l'ai soupçonné. Ah putain, c'est bon, je l'ai retrouvé la photo, mais la baignoire est propre. Mais je pensais pas l'utiliser pour ça. La baignoire est propre, oh, malheureusement. Cette tête de la vainqueur. Baignoire... Mais oui, la grosse tête de vainqueur, c'est incroyable. Hein. La baignoire est propre, malheureusement, donc c'est pas ça. C'est pas ça, malheureusement. Bon, les viewers, il est 23h, c'est pas tout, mais on va s'arrêter. Merci à vous d'avoir été là pour cette petite séance. Vous constatez, maître, la baignoire est propre. pour cette petite séance Scribblio into archéologie. Into archéologie. Je poste des trucs peu recommandables. Putain, mais quel enfer. D'où est-ce que ça sortait quoi? Bref. J'en sais rien. Oh, des bisous à vous les cocos. Passez une bonne soirée. On se retrouve. Putain, j'ai perdu mon stylo. On se retrouve jeudi sur Metroid. Perdu dans la baignoire. La suite de Metroid. Je sais plus à combien d'heures de gameplay on en est de Metroid, on est à genre à 8 heures, donc il nous en restait 2, 3, 4. Donc 2, 3 séances de Metroid Other M. De Metroid Other M, c'est-à-dire que là on n'a pas encore atteint le sommet du scénario, mais soon on atteint le sommet du scénario. Et après on passera sur Fusion et ce sera mieux. Passez une bonne soirée les viewers, à jeudi. Bonne soirée. Et à plus. Ciao ciao. Ouais.